J'entends un pas de sang. Propriété. Alors. Ouais, mais là je pense pas que ce soit. On le entend bon. Ta musique uniquement. Alors, USB, allô. Ah, c'est nouveau ça. Ouais, pas de ça. Attends. Est-ce que là vous m'entendez? Là, ça va être. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour. Cette fois, c'est bon, on m'entend ou pas? C'est bon. Ah, oh, c'est un décalage. Oui, oui, il y a un décalage. Ok. Allez, on attaque le live là maintenant et puis je couperai le tout début du live. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouveau live. Donc Astromatos pour voilà, les lives du Père Noël. Vous avez reçu un télescope à Noël, l'objectif c'est de répondre à vos différentes questions. Donc j'ai sorti un peu tout le matos là, vous avez le Dobson 400, vous avez le derrière moi le Dobson 115-900 que vous m'avez vu fabriquer sur la chaîne. Vous voyez maintenant j'ai un long câble qui va me permettre de pouvoir me balader sans avoir trop de coupures de son et surtout d'arrachement de câble jusqu'à ce qu'à un moment donné je trouve une solution éventuellement Bluetooth. On a un qui gros soit bien bruit fait parasite, Christophe. Ah, vous avez un gros bruit parasite. C'est mauvais, mauvais, mauvais. Parce que pour vous c'était bon ça, non? Le son est pourri. Ah. Ça fait cafetière. Ça fait cafetière. Ouh la vache. Oula, comment ça se fait que ça fait cafetière comme ça là? Paf, paf, paf. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait merder en fait. J'ai rebranché là, micro. Est-ce que là vous m'entendez mieux ou pas? On va voir avec le décalage. C'est pas top, on va y arriver. Est-ce que vous m'entendez déjà dans le Discord? Oui, on t'entend. Et le son est bon dans le Discord? Ah, ouais, c'est bon. Ok, et est-ce que le son est bon dans le live lui-même? Dans le live lui-même, je suis en train d'écouter, ça a l'air. Là, c'est là, on entend bien. Ok, donc en fait, c'était un peu de bruit parasite, en fait. C'est bon, il y en a plus? C'est la connexion qui est mauvaise, en fait. Ok, c'est ok, c'est ta fiche. Ah, parfait. Ok, donc c'est la fiche, elle est vraiment sensible. On va essayer de faire attention. Surtout, vous me le dites s'il y a un souci. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'écho parasite, normalement, c'est ça, voilà, ça devrait être bien. Bon, alors cette fois, on refait le lancement du live. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième live consacré voilà, à l'aide débutant. Voilà vos questions sur le matos. Vous avez reçu un télescope à Noël, vous êtes un petit peu perdu. Et bien l'objectif c'est de vous aider, vous donner un petit peu des petites billes. Et bien aujourd'hui j'ai sorti un peu toute l'artillerie. Vous avez le Dobson 400 ici, vous avez le Dobson 115-900, vous avez le Photostroke. On va parler des questions de l'angle horaire sur les montures parce que j'ai vu une question. On m'a posé une question sur l'utilisation des montures EQ1 et des cercles de coordonnées. Donc cette monture là elle est bien pour expliquer. Et puis vous avez mon Samyang 135 sur la Star Adventurer, vous avez ma 61 EDPH sur la monture AZ GTI. Donc ce sera pour parler aussi un peu de la manipulation des montures équatoriales, puisque ce que l'on peut dire à travers ces montures là, on peut le transposer à des montures et des instruments plus conséquents. Voilà. Donc l'objectif, c'est de répondre un petit peu à toutes vos questions. J'espère que vous allez bien. C'est mieux, mais il y a toujours un ronronnement. Et il y a un écho des participants du Discord. Oula. Alors ça, je sais pas trop comment je peux faire pour éviter ça, parce que, en fait, j'ai été obligé, si je voulais pouvoir brancher mon casque avec la rallonge, j'ai été obligé de me brancher différemment, parce que je n'arrive pas à brancher le casque avec la rallonge là. Bon. Il y a du son et de l'avoine. Bon. C'est bon ou c'est pas bon? Dites-le moi. Je suis désolé hein, pour les problématiques. On t'entend en écho. Alors, c'est peut-être le son qui vient de lui. Carte HDMI. Tac, tac, tac. Je sais pas si c'est une question de son.
Vous m'entendez bien? Ouais, parce que c'est bon. Oui, mais parce qu'en fait la carte, enfin le l'appareil photo lui aussi prend du son et je sais pas comment le couper ça. Sortie audio du bureau. Et là, là j'ai changé un truc. Vous allez me dire si c'est un peu mieux. Mais c'est pas évident de savoir. J'avais pas eu de problème hier. Je vais voir dans. Je vais voir sur YouTube. Bon. Écho chez les participants Discord. Ça j'ai. Ah, c'est peut-être que vous, par le fait que je vous partage la vidéo, il faut que vous fassiez mute sur le. Enfin, il faut que vous choisissiez. Si vous écoutez le son de du live ou le son du Discord. Et c'est peut-être ça qui ça rebalance peut-être un écho, ça. Vous voyez, parce que je vous partage, moi, je vous partage mon écran et mon son à travers l'écran du Discord. Il y a peut-être ce genre de choses-là. Oh là là, je suis désolé les gens, c'est pas top. Le fil vert sur le bouton vert. Bon. Mais ta retransmission en mute sur le Discord. Ma retransmission en mute. Hein. Mais je sais pas si je peux l'arrêter ça. Ah si tu peux. Bah je vous arrête mon stream. Hein. Je vous arrête mon stream alors. On va essayer ça. Voilà. Bon, dites-moi si c'est mieux. Et puis, de toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Le temps que les questions commencent à venir, on va commencer par les petits PowerPoint. On va parler du ciel profond, puisque hier on a parlé de, on a parlé plutôt du planétaire. On va faire un petit récap sur le ciel profond. Voilà. Alors, je peux même vous mettre ma vue avec la webcam comme ça, même si je suis un peu en contre-jour. Je suis désolé. Voilà, le ronflement n'est plus là. Ah, donc c'est peut-être ça qui posait problème. Alors. Donc voilà, sur le ciel profond, en fait, on va s'intéresser à toute cette zone-là finalement là de notre slide. Qu'est-ce qu'on a à voir sur le ciel profond? Eh bien déjà, on peut commencer par la Voie lactée. La Voie lactée, vous n'allez pas forcément avoir énormément de difficultés à la photographier. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un suivi, d'avoir un autoguidage. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut avoir un très bon ciel bien dénué de pollution lumineuse. Là, ça, je l'avais fait au Samyang 14 F2.8. J'avais fait une vingtaine de poses, il me semble, je crois, sans motorisation. Et puis ensuite, on a refait un alignement sur les étoiles. Sans autoguidage, là, mais je crois qu'il n'y avait même pas de motorisation pour celle-là. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir un objectif très ouvert. F2.8, c'est le minimum. F2, c'est l'idéal, voire F1.8, F1.4, c'est toujours du mieux au mieux, puisque à chaque fois, on a deux fois plus de lumière qui s'additionne sur les photos. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Bah, vous allez voir qu'on a pas mal de choses à observer dans le ciel profond. Alors, il faut quand même noter une chose, c'est que vos yeux ont quand même une limite. Et que, en fait, eh bien, vous avez des bâtonnets et des cônes. Que les cônes vont capter les couleurs, mais sont moins sensibles que les bâtonnets qui vont capter le noir et blanc. Et sachant que la partie vraiment centrale de l'image est plutôt tapissée de cônes, quand la partie périphérique est plutôt tapissée de bâtonnets. Raison pour laquelle vous allez quelquefois pas arriver à voir en vue directe, mais vous arriverez à voir en vue décalée quelque chose. Voilà, donc les étoiles, eh bien, les étoiles ne sont pas toutes identiques. Vous pouvez voir sur cette photo d'Orion que Bethelgeuse ici est plutôt rouge-orangé, à l'inverse de Rigel qui est plutôt blanche, voire même un petit peu bleutée. Donc là-dessus, effectivement, c'est quelque chose qui pourra être intéressant à observer. Donc, il y a un cycle de vie des étoiles qui vont partir des étoiles bleues justement pour aller vers des étoiles géantes rouges. Et donc, effectivement, rien que la couleur des étoiles, ça peut être quelque chose d'assez amusant à observer. On va en parler lors des étoiles doubles, par exemple. Je vous donnerai un exemple assez sympa. Et bien voilà, justement, Albireo dans le Cygne, et bien vous en avez une rouge et vous en avez une bleue. Ça, c'est quand même assez amusant. Il existe des catalogues d'étoiles bleues, d'étoiles doubles, et il y en a certaines justement où vous avez des paires colorées, c'est assez amusant. Ça, c'est observable avec des jumelles tout simplement. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un énorme instrument pour pouvoir observer des choses. Alors, vous avez des observations d'étoiles variables aussi qui vont varier de luminosité avec le temps.
vous avez sur la chaîne Astronomie à la lunette de Laurent Houmar, vous avez toute une série d'épisodes sur le sujet. C'est un gars qui est vraiment très très calé sur le sujet. Salut Pascal qui nous salue dans le live en tout cas. Voilà, on est en train de noter vos questions, vous inquiétez pas, ensuite on va y venir. Hein. Alors, vous avez des étoiles, les étoiles Wolf-Rayet, qui sont extrêmement puissantes, qui vont avoir des impacts sur les nébuleuses qu'il peut y avoir autour. Ici, la nébuleuse de la bulle. Ici, la nébuleuse du croissant. Donc ça, c'est observable avec des grands instruments. Alors, la bulle, pas tellement, mais la nébuleuse du croissant, oui. Et donc, effectivement, une nébuleuse comme ça... faut comprendre qu'il y a un phénomène derrière qui est quand même assez hallucinant à observer. Alors la naissance des étoiles, elles naissent dans les nébuleuses. Alors ça, vous n'aurez pas forcément de facilité beaucoup à le voir parce qu'il faut être en infrarouge pour pouvoir mettre en évidence ce genre de phénomène. Mais il faut comprendre que dans les nébuleuses par émission, eh bien, il y a vraiment des pépinières d'étoiles qui se passent ici, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Celle-là peut être éventuellement observable avec filtre sous un excellent ciel. Ça c'est la nébuleuse ici, alors je sais plus trop vous dire, ça, celle-là c'est la nébuleuse de l'âme je crois, ouais, juste à côté de la nébuleuse du cœur. Là aussi il y a pas mal de naissances d'étoiles. Vous avez aussi des nébuleuses obscures comme la fameuse tête de cheval, alors très difficile à observer, il faut un ciel excellent, plus filtre pour pouvoir arriver à l'observer, j'espère l'observer un jour en visuel vraiment à Saint-Véran. Après sinon vous avez le fameux OVNI. L'oculaire de vision nocturne par intensification qui permet de l'observer en vue directe. Mais bon, on a fait de l'intensification lumineuse pour pouvoir l'observer. Vous voyez que vous avez aussi une nébuleuse obscure ici dans la nébuleuse de la flamme. Et vous avez donc des nébuleuses par émission ici. Donc où la lumière d'une étoile va illuminer finalement, ioniser ses gaz et puis ensuite derrière qui vont réémettre de la lumière en fonction de leur longueur d'onde. Et vous avez des nébuleuses par réflexion qui sont plutôt ces IFN là, qui sont pas ionisées mais qui émettent très légèrement de lumière. Par contre ça se met en évidence en photo. Donc voilà, nébuleuses par réflexion, vous en avez pas mal autour. C'est une photo que j'ai faite mais qui a été traitée par Mathieu Toury pour aller révéler un petit peu les trucs un peu autour là. Et ça c'est des choses qui sortent plutôt en photo là. Voilà. Donc trois types de nébuleuses en réalité dans le ciel profond. Là vous avez de la nébuleuse obscure ici, vous avez des IFN un peu autour. On est à la fois sur de la nébuleuse obscure et en même temps de la nébuleuse par réflexion là autour de l'iris. Il faudrait vraiment se renseigner. Mais vous voyez que vous avez des zones qui sont un peu plus touffues et on a de l'absorption de la lumière des étoiles. Voilà, là encore un autre exemple de nébuleuse obscure ici autour de la nébuleuse du cocon. Et là, bel exemple d'émission et de nébuleuse obscure avec M78 dans la constellation d'Orion. Nébuleuse assez difficile à photographier, assez difficile à observer aussi. Alors, dans les amas, et bien, vous avez des beaux amas d'étoiles très sympas à observer, comme l'amas des Pléiades. Alors là, pour les amas d'étoiles, plus le diamètre va être important, plus les étoiles vont péter aux yeux, et il y a un effet un petit peu de chatouillis, si vous voulez, sur la rétine de l'œil, à observer un bel amas d'étoiles avec des étoiles bien brillantes. Donc ça ici, l'amas M45 des Pléiades, c'est un grand classique qui peut s'observer avec toutes les focales, que ce soit avec une paire de jumelles, même à l'œil nu d'ailleurs. Et plus vous allez avoir de diamètre, plus ça va être intéressant. Donc là, j'aime mieux vous dire que l'amas des Pléiades, avec mon nouvel oculaire de 55 mm là-dessus, je pense que je vais prendre une bonne claque. Alors ça, c'est un autre amas qui est moins spectaculaire. Celui-là, ça doit être l'amas du grand chien, je crois. Donc M51, je crois, ou M41, M41 du grand chien. À moins que ce soit M44, l'amas de la crèche. Alors ça sort pas toujours facilement en photo, les amas d'étoiles, il faut bien le savoir. Il faut vraiment poser beaucoup pour sursaturer les étoiles, pour qu'on se rende compte du truc, parce qu'en fait, forcément, votre écran d'ordinateur, il a une limite dans la puissance qu'il va vous envoyer, à l'inverse de votre télescope, qui là est limité par son diamètre, mais qui ne limite pas la puissance des étoiles. Voilà le double amas de percée, un classique, observable aux jumelles, avec des petits instruments. Petit instrument sympa. L'amas du cintre, qui s'observait également avec une paire de jumelles. Là, on voit très bien les différences de luminosité des étoiles, et surtout la différence de couleur ici. Là, voilà.
On voit très bien la différence de couleur. Et puis là, vous avez un petit amas NGC sur le côté qui est beaucoup plus petit. Vous voyez. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller observer l'amas du cintre, donc qui est en plein dans le triangle d'été, et ensuite d'aller sur ce petit amas-là. Voilà. Bien évidemment, vous avez des amas globulaires, c'est-à-dire que là, à un moment donné, dans un amas ouvert, vous avez la gravité qui va commencer à concentrer tout ça. Vous avez, je crois, 800 000 étoiles sur M13, un amas absolument fabuleux. Donc là, ici, c'est avec mon 200x800. On va pouvoir cropper un petit peu quand on va faire la photo avec un Samyang 130, non, avec un Sony A7R2 qui a des petits photosites. Donc là, on commence à révéler quand même pas mal de choses. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin, par exemple, avec un RC500, là. Et encore, je pourrais vous zoomer dedans, parce qu'elle a quand même du détail, cette photo. Mais les amas globulaires, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde à observer. Alors, la mort des étoiles, eh bien, des étoiles d'une masse inférieure à 8 masses solaires vont se transformer en nébuleuses planétaires. On en connaît 1500 à peu près, et un certain nombre sont observables. Alors là, comme c'est très petit, même si les magnitudes sont quand même assez élevées, on est souvent magnitude 8, 9, 10, comme c'est très petit, ça reste observable, même avec un télescope de 200 mm, mais il va falloir monter en grossissement. C'est pour ça qu'il est quand même intéressant d'avoir du gros diamètre comme un 400, parce que là, on va pouvoir vraiment pousser très fort en grossissement. Donc celui-là est assez sympa, il est dans les Gémeaux, je ne sais plus le nom, c'est là. L'amas du clown peut-être. La nébuleuse du clown, je ne sais plus trop vous dire. Et là, vous avez par exemple M27 qui est très très célèbre, très sympa, et celui-là, je vous conseille de l'observer avec un filtre comme un UHCS, qui vous redonnera plus de contraste, même si vous êtes sous un très bon ciel, vous verrez que ça va bien assombrir le fond de ciel, et là, à ce moment-là, il va mieux révéler encore. Donc le voilà, là, cette fois avec un RC500, vous voyez qu'on commence à avoir pas mal de détails, et bien évidemment, en fait, quand vous vous appliquez en astrophoto, vous commencez à révéler de plus en plus de trucs, quoi. J'ai fait assez rapidement celle-là, mais même avec un télescope, vous n'avez pas besoin d'un télescope de 500 mm pour pouvoir avoir quand même des trucs sympas. La nébuleuse Hélix, le logo de la chaîne, très très belle nébuleuse, énorme, elle fait le diamètre apparent de la Lune, observable avec un télescope de 200 mm et même 100 mm de diamètre avec un filtre UHC. UHCS, il faut redonner du contraste quand même dessus. Elle est plutôt basse sous nos latitudes, mais elle est vraiment très très sympa. Il n'y a pas besoin d'un très gros diamètre, par contre il faut une belle pupille de sortie en fait. M1, la nébuleuse du crabe. Là, c'est une supernova, donc une étoile plus massive que 8 fois la masse du Soleil qui a explosé. Et on a vu en fait ce phénomène en 1054. En fait, on l'a vu apparaître en 1054. Et là, le plus dingue du plus dingue que l'on puisse observer et même photographier. Donc, on peut observer en fait la grande dentelle, la petite dentelle et peut-être un peu le triangle de Pickering sous un très bon ciel. C'est la fameuse dentelle du Cygne. Et ça s'observe. Il n'y a pas forcément besoin d'un très gros diamètre. Par contre, il y a besoin d'avoir il y a besoin d'avoir un très bon ciel, et un filtre UHCS est recommandé pour pouvoir augmenter le contraste. Voilà, donc dans la Voie lactée, vous pouvez observer effectivement l'ensemble de la Voie lactée, mais vous allez pouvoir, et donc ça c'est des photos que j'ai faites avec mon Samyang 135 hein, qui est derrière moi, appareil photo défiltré par contre dessus, et bien là, la nébuleuse donc de l'Amérique du Nord et du Pélican, là vous avez et bien le cœur et l'âme, et le double amas de Persée ici, là vous avez la nébuleuse de la trompe d'éléphant, là vous avez Orion avec la boucle de Barnard, avec la tête de cheval, la flamme, M42 et puis le Running Man. Vous voyez qu'on arrive à sortir des trucs très très intéressants. En fait, la Voie lactée a beaucoup plus de relief et de volume qu'on ne le croit. Très intéressante déjà à observer aux jumelles, mais hyper intéressante à observer, à photographier en astrophoto. Voilà, les galaxies, et bien la galaxie d'Andromède, hyper connue. Là, tout simplement avec le Samyang 135 sur la Star Adventurer et avec simplement un rognage pour pouvoir la recadrer correctement. Et vous voyez qu'on arrive à révéler des choses vraiment très très sympas. Là-dessus, là, avec mon Photostroke 200x800 en 3 photos, d'arriver à aller révéler, finalement un petit peu l'ensemble en 3 parties. Quoi. Alors attendez, on m'envoie un message. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la galaxie d'Andromède. Donc ça, c'est 3 fois 20 minutes pour faire cette photo-là. La galaxie que j'aime beaucoup, la galaxie du Triangle, vraiment une de mes préférées. Donc là, c'est une photo faite avec la 7R2. Là, il y a au moins 1h30 de pause, même peut-être 2h. Et on peut révéler de plus en plus de choses en fait avec.
Voilà pour vous dire, des petites galaxies, vous avez plein de petites galaxies qui sont peu lumineuses au global, mais en réalité quand même qui vont avoir un minimum de contraste, puisque comme elles sont petites, elles vont quand même avoir quelque chose. Donc en photo, en s'appliquant bien avec un 200 par 1000 ou un 200 par 800, vous arrivez à révéler des choses franchement sympas sur ces petites nébuleuses, donc M65, M66, et puis la galaxie Hamburger, donc dans la constellation du Lion. M51, la galaxie des chiens de chasse, en fait deux galaxies, il y en a une qui absorbe l'autre d'à côté. En fait, il n'y a pas deux galaxies identiques, et donc là ça devient super super intéressant, vraiment, et là il y a beaucoup de choses à aller révéler sur celle-là, à observer aux 400 sous un bon ciel, je peux vous dire, c'est une claque dingue. Ceux qui viendront aux rencontres astronomiques du printemps, on la regardera ensemble, parce que ça vaut vraiment vraiment le coup. On voit les petites granulosités en fait dans les spirales, en fait, quand le ciel est très bon, c'est vraiment fabuleux. Galaxie irrégulière, la galaxie de Barnard, peu connue, et vous savez que vous avez les grands nuages et petits nuages de Magellan dans l'hémisphère sud qui sont intéressants à voir. Voilà, galaxie de l'aiguille, il me semble que c'est la galaxie de l'aiguille celle-là, vue complètement par la tranche, assez sympa aussi. Sympa à observer, mais à photographier. Mais on est plutôt sur des gros diamètres, hein, mais c'est sympa. Et là, vous avez la galaxie de la baleine, ici à droite, et la galaxie de la crosse de Hawker. En réalité, vous en avez quatre. Vous avez la galaxie de la baleine et sa galaxie satellite. Et là, en fait, c'est un peu comme la galaxie des chiens de chasse. Il y en a une qui est en train d'en absorber une autre, là, ici, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ça donne une forme assez irrégulière. Galaxie de la baleine, là... La comète est passée à côté d'ailleurs. Ouais, elle est passée à côté Nowise, oui, tout à fait. Voilà, vous avez des amas de galaxies. Bon, là, sur cette photo, vous avez plusieurs centaines de galaxies. Donc ça, c'est un des amas Abel, c'est Abel de 1558. Là, vous voyez vraiment du monde. Alors ça, vous ne les verrez pas en observation visuelle parce qu'on est sur des magnitudes très élevées. Par contre, en photo, en réalité, vous avez beaucoup, beaucoup de galaxies qui peuvent apparaître. Voilà, encore un autre amas Abel, la 1551. Vous voyez, il y a encore du monde sur ces photos-là. Voilà. Vous avez des trucs qui évoluent aussi, vous avez des nébuleuses qui évoluent. Alors là, on est dans les piliers de la création, et puis on est avec le grossissement monstrueux de Hubble. Mais on a pu mettre en évidence un déplacement de matière, et là, il faut bien comprendre qu'on est sur des déplacements à plusieurs centaines de milliers de kilomètres heure. Mais il y a des choses qui évoluent quand même à échelle humaine. Ça, c'est mis en œuvre. Regardez les dates. Vous voyez, c'est pas des dates qui sont très très rapprochées les unes des autres. Elles sont assez rapprochées les unes des autres. Mais le Hubble Space Telescope avec l'instrument, la Wide Field Camera et ACS, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais vous avez mon épisode sur Hubble, pour vous expliquer ça, eh bien, on peut voir des ondes de choc, en fait, au cœur de la nébuleuse du Crabe. Vous avez donc la nébuleuse du Crabe, cette fois constatée année par un astronome amateur. On peut voir la poursuite de son expansion, en fait, à échelle humaine. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Et vous avez cette nébuleuse-là, qui s'appelle la nébuleuse Hubble. Hein. En fait, là, par contre, c'est des trucs qui bougent devant une étoile, qui font que ça cache l'illumination, ou pas, de certaines zones de la nébuleuse, en fait. Donc il y a un phénomène qui est assez hallucinant. Là, c'est pas de la matière qui bouge, ça bouge juste au niveau de l'étoile. Donc en fait voilà, c'est une nébuleuse par réflexion qui entoure une jeune étoile. Les variations de lumière de la nébuleuse proviennent non pas de l'étoile R, mais des nuages de poussière qui sont entre les deux objets, un peu comme des ombres chinoises dont la jeune astre projette sur sa tente. Voilà. Donc ça c'est quand même assez hallucinant, et ça c'est quelque chose qui se photographie avec un télescope amateur. Voilà, vous pouvez avoir des novas, c'est-à-dire des apparitions, ça ressemble à une étoile. Alors une nova, ça correspond à... que je vous dise plus de bêtises. Alors ça peut être l'explosion à la surface d'une naine blanche qui est en train d'absorber une géante rouge, par exemple. Voilà, qui siphonne l'hydrogène d'une géante rouge à proximité. Voilà, ça peut être une nova. Et vous avez des apparitions de supernova. Alors, que je vous la retrouve, c'était la Galaxy Firework, c'est une photo que j'ai faite. Voilà, vous avez un... 2-3 étoiles qui font partie de notre galaxie, celles-là elles sont très brillantes, et vous en avez une quatrième là qui est apparue pendant quelques semaines, et en réalité c'était une étoile de cette galaxie qui s'appelle la galaxie donc Fireworks, et celle-là elle a régulièrement des supernovas. Donc là c'est l'explosion vraiment d'une étoile. Vous avez des transits d'exoplanètes qui sont observables aussi, alors photographiables en réalité, et on a une baisse de quelques pourcents à peine, mais vraiment très très peu de la luminosité d'une étoile, et donc là, on a
on a un phénomène qui peut être constaté finalement en mode observation, enfin en mode photo. Voilà. Alors sur la photographie, bah voilà, vous allez avoir la photographie, à la limite, on en parlera plutôt demain, de l'astrophotographie, et puis on va s'intéresser un petit peu aux différents instruments, et puis surtout à vos questions, parce que vous m'avez posé déjà plein de questions. Donc ce que je vous propose là, les amis du Discord, vous m'avez sélectionné. Alors il y a une question de Kevin D. J'ai reçu une AZ2Q6. Quand je pars ma monture, donc le tube à 0 degré, le viseur polaire n'est pas à 0 en haut. Pourtant, je suis passé par Pierre Astro qui dit avoir réglé le viseur polaire. Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais peut-être que vous avez vu. J'ai vu des messages dans le chat. Brosso, t'as peut-être répondu. Vous êtes là toujours ? Tout à fait, oui, j'ai répondu. Alors, vas-y, donne la réponse. Il reste à voir exactement, de voir exactement. Apparemment, son 0 est à environ 4 heures. Mais ouais. Techniquement, je vais demander des photos qu'on mettrait sur le Discord histoire de comprendre un peu mieux. Ouais. Mais globalement, c'est comme moi que le zéro, s'il n'est pas au zéro, ça n'empêche pas de faire une mise en station en soi. C'est juste que ça paraît contre-intuitif. En fait, les chiffres qu'il y a sur les montures, on peut très bien utiliser la monture 100. Très très clairement. Après, il faut savoir que le disque pour l'angle horaire, il sert pour l'angle horaire et pas pour l'ascension droite. Donc, exactement. Il faut et globalement, ça peut être à la fois un problème de réglage sur la monture, parce que certaines montures, on peut régler le zéro. Ouais. Et de l'autre, le plus important, c'est surtout que le centre de rotation soit au centre du réticule. C'est ça qui est le réglage super important du viseur polaire. Alors, pour ça, je vais vous montrer la technique. On est là pour parler un peu astromatos. Eh bien, vous prenez votre monture. Voyez un petit peu. Il faut souffrir pour faire une chaîne YouTube. Hein. Voilà, vous prenez votre monture. Alors là-dessus, vous allez du coup défaire forcément votre réglage en ascension, en latitude que vous avez là à l'avant de votre monture. Je vais vous la tourner quand même. Voilà. Donc là, vous avez le réglage en latitude de votre monture. Et vous orientez comme ça. Et là, vous êtes censé orienter sur l'axe polaire ici. Ok, vous avez le viseur polaire qui est là. Hop, on peut l'ouvrir. Il est là. Ce que vous allez faire, en fait, tout simplement... c'est pour voir si votre viseur polaire est bien réglé par rapport à l'axe de votre monture. Vous allez tout orienter, tout cabrer en fait à l'horizontale, de façon à viser par exemple un pylône EDF, un pylône, une antenne ou quelque chose comme ça, qui est le plus loin possible. Et en fait, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez desserrer votre frein en ascension droite et vous allez faire tourner la monture comme ça. Et vous allez tout de suite voir. Si le réticule, ça tourne vraiment précisément autour du réticule, ou si au contraire, vous avez un décalage. Et là, à ce moment-là, il y a des vis de réglage qui vous permettent de régler votre viseur polaire et l'axialité de votre viseur polaire par rapport à l'axe de la monture. Voilà ce qu'il faut dire. J'ai bon, docteur ? Et bonjour tout le monde. Ah, il y a Astroculus qui nous a rejoint. A priori, profite pour dire bonjour aussi à tous. Ah, il y a Julien aussi, Taverna. Donc, alors Astroculus, il faut. Oh, j'ai toujours pas mis le lien dans la description. Je te promets, je vais corriger tout ça. Mais mettez le lien dans le chat sur la chaîne d'Astroculus. Et Julien, c'est la chaîne Carnet Astro. Avec un épisode que j'ai commencé à regarder, là où tu nous as fait encore un truc hyper bien décalé, comme tu sais bien le faire. Ah. Mais toujours de bonnes réflexions, vraiment qui gagne à être connu, notre ami Julien. C'est ça le but, c'est faire réfléchir un peu tout le monde et puis que tout le monde ait des outils pour s'amuser avec l'astronomie et prendre du plaisir. Voilà. Surtout en visuel. Histoire d'avoir un peu un regard critique sur notre façon de faire de l'astro. C'est ça. Ton épisode là sur J'ai peur du noir, là, tu nous avais tué avec celui-là. Ok. Alors, question de Jérôme Avonde. Quel genre de filtre faut pour un APN non défiltré pour faire ressortir un minimum les nébuleuses sous un ciel pollué, genre région parisienne ? Bah écoute, effectivement, région parisienne, ça va être assez violent. Donc, les filtres UHCS, ou sinon après le cran au-dessus, c'est le L Enhanced d'Optolong. Alors, je te conseille plutôt le L Enhanced plutôt que le L Extrême, parce que le L Extrême ne va pas te laisser passer le H-Beta. Il va laisser passer juste l'oxygène 3 et le H-alpha. Alors le H-alpha, un appareil photo non défiltré, et forcément pas au plus sensible. En gros, il faut savoir que quand vous défiltrez un appareil,
qu'il soit des filtrés partiels, des filtrés refiltrés Astrodon ou des filtrés total. Quand vous allez le défiltrer, si c'est un canon, vous allez multiplier par 5 sa sensibilité, par 4 sa sensibilité. Si c'est un Sony, vous allez carrément la multiplier par 5. Hein, Weta, on entend tes sons de clavier. Donc ça c'est si vous voulez, donc ton appareil photo non défiltré va quand même capter un petit peu le rouge des nébuleuses, mais forcément beaucoup moins. Donc moi ce que je te conseille, c'est effectivement d'essayer de travailler déjà avec le H-bêta et le oxygène 3. Donc c'est pour ça que un filtre UHCS ou un filtre L-enhanced de chez Optolong, eh bien ils vont te sortir ces deux couleurs là. Ils vont essayer de te garder le rouge aussi, mais t'es pas ultra sensible dans le rouge. Et ce que tu fais, c'est qu'au niveau de ton traitement, quand t'as fait ton pré-traitement, tu vas adopter un filtre gamma qui va booster en fait le rouge artificiellement avant ensuite de faire tes balances de couleurs. Et tu vas contrecarrer un petit peu le manque de sensibilité de ton appareil photo. Ce sera pas parfait, mais tu peux quand même le faire un petit peu. Après, bien évidemment, l'idéal c'est d'aller c'est carrément d'aller défiltrer ton appareil. Ça me paraît être une évidence. L'amas du cintre est un astérisme. Oui, mais on l'appelle amas quand même. Alors, question de Scott Carlier. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un diamètre de 150 et 200 mm? Alors, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Et pour ça, moi, je vais vous donner un exemple. Derrière moi, vous avez mon Photostroke 200. Oups. Oh là là, je pense que je vais terminer en accident avant la fin de ce live. J'ai mon Photostroke 200. Avant lui, j'avais eu un autre Photostroke, c'est le V1, qui était un 200 par 1000, donc à F5. Et j'ai mon premier stroke, qui est un 300 par 1500. Donc FD5 également, l'un 300, l'autre 200. Et donc je me suis amusé à observer les mêmes objets avec ces deux télescopes. Et là, il y a deux choses à comprendre. Soit vous utilisez le même oculaire, et donc vous avez le même rapport de grossissement par rapport au diamètre de l'instrument, l'image en ciel profond, je parle pas de la ponctualité des étoiles, mais je parle de la luminosité apparente d'une nébuleuse ou d'une galaxie, elle est la même. C'est-à-dire que je peux observer donc avec ça la nébuleuse Elix aussi bien qu'avec le 300, la seule différence c'est qu'elle est plus petite. Donc si j'utilise mon oculaire de 25 mm de focale, j'aurai la même pupille de sortie sur les deux et la luminosité sera la même, mais le grossissement n'est pas le même. Donc par contre, si je travaille à grossissement égal, donc entre un télescope de 150 et un télescope de 200 mm de diamètre, forcément avec mon télescope de 200 mm de diamètre, mon image sera plus lumineuse parce que la surface collectrice, la quantité de lumière par la surface collectrice de l'objectif va être étendu devant mon œil, va être étiré devant mon œil d'un facteur qui ne sera pas le même. Et donc forcément l'image sera moins lumineuse. Donc effectivement un télescope de 200 mm c'est toujours beaucoup mieux. Par contre après si le rapport focal sur diamètre n'est pas le même, là il faut faire attention. Si vous prenez un 150 par 1200, je crois qu'on est sur un FD pas loin de 8. Si vous prenez un 200 par 1200, vous avez un rapport FD à 6. Et donc là, à oculaire égal, vous aurez une image plus lumineuse, très clairement sur le 200, mais surtout vous allez pouvoir aller sur des faibles grossissements avec des pupilles de sortie plus importantes, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de lumière finalement qui va rentrer dans votre œil et l'image sera plus lumineuse. Alors la pupille de sortie, je vais réexpliquer un tout petit peu le phénomène. Vous avez un instrument qu'on appelle, votre instrument en fait, il est ce qu'on appelle afocal. Alors je vais essayer de vous trouver un diagramme. Et ça, c'est une question qui revient tout le temps. Ouais, c'est une question qui revient souvent, c'est une question de budget et d'utilité. Après, aussi, ouais, ouais. Pour voir sur quoi tu veux le mettre, est-ce que ça va être tout à fait. Du visuel, est-ce que ça va être. Non, c'est pas assez décis, c'est la photo. Voilà. Alors, ouais. Télescope à focale, c'est ce que vous voyez là. Vous avez le diamètre là de votre objectif, et ça, c'est toute la quantité de lumière qui a été captée par l'objectif de l'instrument. Donc, c'est proportionnel à la surface de l'objectif de l'instrument. En sortie, eh bien, vous voyez que les rayons se croisent et puis ensuite là vous avez votre oculaire. Plus la focale de votre oculaire est petite, les rayons ressortent parallèles, et eh bien plus vous avez quelque chose de petit. Si en revanche
vous avez une focale qui est plus grande, et bien là, à ce moment-là, vous avez une surface de sortie qui est plus importante. Or, c'est cette surface-là qui va conditionner la luminosité sur votre œil. Au final, la luminosité surfacique. En fait, ça paraît bizarre, mais un télescope à focale ne permet pas de rendre l'image plus lumineuse. Il la rend juste plus grande. On ne peut pas rendre une nébuleuse plus lumineuse qu'elle n'est déjà. Il y a un phénomène qui est assez bizarre avec ça. Il faudrait que je vous écrive un véritable épisode sur le sujet. Mais comprenez bien qu'en fait, c'est le rapport entre le grossissement final de l'image et le diamètre de l'objectif. Alors, on peut le faire différemment. Je vais revenir sur les caméras. On peut le faire différemment, cette affaire-là. On peut le faire différemment en prenant la focale de l'objectif et le rapport FD de l'instrument. Et donc, en fait, la pupille de sortie, c'est la division de la focale de l'oculaire, pardon, par le rapport FD de l'instrument. Si vous avez un rapport FD à 10, pour avoir une pupille de sortie de 6, il faut un oculaire de 60 mm de focale. Et c'est pas toujours trouvable, surtout en 31-75. Et donc c'est là où ça va se jouer. Un télescope de 150 mm, si vous avez un 150-750 avec un rapport FD à 6, non à 5, pardon, 6 x 5, 30, un oculaire de 30 mm vous donnera l'image la plus lumineuse possible. Si par contre c'est un 150 par 1200, là il faudra un oculaire de plus longue focale, ça va être difficile à trouver, et généralement c'est plus cher, c'est pour ça qu'il vaut mieux finalement mettre votre budget sur un 200 par 1200 plutôt qu'un 150 par 1200. Ça je l'explique dans mon épisode justement sur le choix des télescopes. Allez, on va continuer, mais au final il y a une vraie différence, parce que c'est comme quand tu zoomes une photo sur un écran d'ordinateur. Plus c'est grand, plus mieux tu vois finalement. Et puis vous avez le pouvoir séparateur aussi derrière, c'est-à-dire la capacité à distinguer des fins détails. Et plus vous montez en diamètre, mieux c'est. Alors Shiva, qu'est-ce que c'est ? Position planétaire. J'ai une question. Tout le monde fait des photos à l'APN, mais j'ai deux APN ZWOASIS 533. Et la caméra est quand même meilleure que l'APN. Alors en fait, la caméra, tu vas pouvoir la refroidir, la 533 MC Pro. Et donc en la refroidissant, comme ton appareil photo, il se voile par sa propre chaleur. Si tu baisses la température du capteur, tu as un meilleur rapport signal sur bruit. Donc au final, à un moment donné, la caméra va être clairement supérieure en fait. Donc oui, à un moment donné, la caméra devient plus intéressante. Question d'Alexandre. Mais je suis en train d'écrire tout un épisode sur les caméras, c'est pas simple, mais ça va venir. 72D Skywatcher, réducteur de focale et Canon 6D Mark II. J'ai énormément de tilt et la mise au point n'est pas nette du tout. Comment y remédier? Alors, ça, je pense qu'il faut voir avec le magasin chez qui tu l'as acheté. Parce que le tilt, c'est quand même un sujet pas simple à régler sur les instruments et tout ça. Il faut avoir un bon porte-oculaire, etc. Il y a aussi des réglages à faire sur les porte-oculaires. Et très clairement, là, c'est pas en quelques mots que je peux t'aider à régler ce problème-là. Mais le tilt, effectivement, c'est une vraie plaie. Et donc là, il faut voir vraiment sur le réglage du porte-oculaire. Il faut savoir que dans les deux vis, etc., il ne faut pas faire n'importe quoi sur les vis, justement, qu'il y a relativement un porte-oculaire. Alors, Kevin, comment s'assurer ta position du package est exactement à 90 degrés, autant en ascension qu'en déclinaison? Ah, du parkage. C'est effectivement, tu peux le faire avec des niveaux à bulles. Tu peux jouer sur des niveaux à bulles. Parce que, en fait, quand tu vises pleinement ton sud comme ça, et ben un niveau à bulles que tu vas placer là, sur ta monture, alors je sais pas si on arrive à bien voir comme ça, hop, voilà, je te mets comme ça. En fait, si tu te mets vraiment comme ça, avec un niveau à bulles ici, tu vas pouvoir régler ton parkage en ascension droite. Et ensuite, bah, si tu vas aller pour aller viser le nord comme ça, il va falloir que tu vois pour trouver une surface qui soit bien par rapport à l'axe de la monture. Et là aussi, tu vas jouer sur un niveau à bulles. Tu vois, là, si je mettais un niveau à bulles comme ça, je verrais effectivement de savoir si je suis correctement réglé ou pas. Donc ça, voilà, ça c'est une technique qui peut servir. Mais après, derrière, de toute façon, tu vas aller sur une étoile et puis tu vas vraiment te calibrer correctement sur ton étoile pour au final avoir ton guidage, enfin ton go-to qui va fonctionner correctement. Quand tu rapproches ton micro, Christophe, on t'entend moins. On m'entend pas bien là? Ah, waouh! Là, c'est mieux là?
Ah oui. Ouais, mais c'est peut-être que j'ai. Il y a peut-être un ampli aussi dans mon petit module que j'utilise d'habitude, ça joue peut-être. Alors, est-il possible de monter. Oui, vas-y. Ouais, je voulais juste dire envoyer les pouces bleus là, parce qu'il n'y en a pas assez par rapport au nombre d'utilisateurs. Ouais, je sais pas combien vous êtes. Vous êtes beaucoup connectés là ? Oh, une centaine. Ah bah, c'est bien ça. En 3. Rebonjour à tous. Voilà, et j'ai pas présenté nos différents invités dans le chat audio là. Alors on va vous présenter. Alors on a Weta avec nous qui est modo sur le serveur Discord et qui s'occupe de me transférer justement les questions. Alors toi tu pratiques pas encore beaucoup, mais ça vient de plus en plus progressivement, hein, on va le dire comme ça. Mais tu te soignes, c'est bien. Voilà, c'est bien. Il est sur le Discord de la communauté Astro et il a carrément raison. Et vous avez le lien dans la description d'ailleurs pour venir avec nous. On a Prosso voilà, qui est avec nous. Je passe beaucoup de mon temps dessus. Alors on a Prosso avec nous. Alors lui c'est un expérimentateur de collimation et de recherche expérimentale sur son C11, hein, si je me trompe pas. Tout à fait. Et j'aime que ça soit net, donc c'est un peu un peu compliqué en astronomie, que comme je le disais sur les réponses auxquelles je donnais, la notion de netteté en astronomie est très relative. C'est vrai qu'on s'attend à ce que ça soit très net en visuel, ouais. Alors que c'est comme moi que c'est une question un peu compliquée, vu que ça dépend à la fois de la taille de ce qu'on regarde et de son ciel et de plein de paramètres. Et c'est vrai que pour les débutants, le fait de savoir si c'est net, pas net, est-ce qu'on voit ce qu'on devrait voir et ainsi de suite, est une question qui désarme beaucoup au début de l'astronomie. On va en parler dans quelques instants après. Là, je flush un petit peu les questions et puis après ça, on va parler d'une première mise en main d'instrument. Et donc, toi, tu travailles beaucoup sur les questions justement de collimation de ton Schmidt Cassegrain, de mise au point avec des Tribatinov et tout. Dans quelques mois, on va reparler de ces sujets-là parce que ce que tu es en train de nous préparer, c'est hyper intéressant. Sur ces questions-là. Voilà. On a Charline qui est avec nous. Au pays de sa très gracieuse majesté. Oui. Au pays de la pluie. Voilà, de la pluie. Mais par contre, Charline a un énorme avantage sur nous tous. C'est qu'elle habite en un lieu où la Station Spatiale Internationale passe juste au-dessus très souvent. Ouais, pile poil. Ah mais en fait, je crois que l'écho vient de moi. Ah, ouais, attends, bon. Ah et bah, ouais, du coup ouais. quand tu coupes ton micro, c'est comme à la radio, il faut enlever le son de l'audio. Ouais. Donc. Oui, donc voilà, j'habite dans un sweet spot pour l'ISS, donc en gros j'ai un passage de l'ISS tous les jours à plus de 85 degrés. Oh la vache, c'est dégueulasse. Donc. Voilà, donc en gros en été, en fin juin, juillet, j'ai tous les passages visibles, avec trois passages par nuit à plus de 70 degrés en fait. Oh la folie. Voilà, c'est pour ça que j'ai sorti plein de photos, que j'ai fait plein de tests. C'est la folie. Donc t'étais avec un CPC 800 de chez Celestron, et là tu t'es acheté un CPC 1100, il me semble. Voilà, en Edge HD. Qui n'est pas si facile que ça à maîtriser, mais voilà, je suis en train de faire des réglages. Je crois que tu es en train de t'arracher les cheveux sur la collimation, j'ai cru comprendre. Ouais, mais c'est juste un télescope que j'ai acheté d'occasion, il y avait du backlash, il y avait plein de trucs, mais bon, voilà. Je mets les mains dedans, je m'amuse, et cet été, ça va dépoter. Voilà. Donc, les CPC, c'est les mêmes tubes que les C8, C11, C14, mais la différence, c'est que c'est une monture altazimutale, à fourche, qu'on peut mettre incliné pour faire une monture équatoriale à fourche, mais l'intérêt de ça c'est que ça marche très bien pour suivre l'ISS parce que tu peux tout programmer en GoTo en fait. Voilà, il n'y a pas de retournement de méridien, donc ça c'est un aspect très pratique. Alors le retournement de méridien, pour ceux qui ne voient pas trop de quoi il s'agit, et ben quand tu es en fait avec une monture équatoriale comme ça, et bien là, tu es en train de faire tes photos, puis à un moment donné, tu peux avoir le risque, quand tu as un instrument qui est plus imposant, qu'il aille buter sur la monture. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un retournement comme ça, à l'inverse, hop, et on va continuer ses prises de vue comme ça. Alors c'est un peu déstabilisant, et quelquefois d'ailleurs, quand c'est fait par un go-to, et ben ça retombe pas sur ses pieds. Voilà, mais en tout cas, Charline, elle nous éblouit toujours avec ses photos de l'ISS. Ensuite, on a Julien de la chaîne Carnet Astro. Oui, c'est moi. Voilà. J'anime la chaîne
Carnet Astro, on parle d'astrodessin, de bricolage, avec des trucs que tu ne te sers pas. Fabriquer une chaise avec un vieux meuble, et puis chaise astro, un pantographe avec deux, trois bouts de bois. Voilà, et puis, exactement. Voilà. J'essaye de. Je pratique un peu l'astrodessin et j'essaye d'aider et puis de prendre de l'expérience là-dedans. Voilà, t'es sur un 200 par 1000 sur HEQ5, je crois. J'ai 200 par 1000 HEQ5 et je me suis fait un stroke pendant le premier confinement. Un 250. Et puis j'ai mes juju, mes jumelles. Aussi. Un 80. Sur pantographe, et puis voilà, les yeux. Il y a de l'écho là, apparemment, d'après ce qu'on me dit. Moi j'en entends pas. Bon, non plus. Ouais. Donc attention à. Alors, en fait, attention si vous utilisez des haut-parleurs pour écouter le live, etc. En fait, quand vous démutez vos micros, hein, ça peut peut-être jouer. Ah bah, moi j'ai mis le casque exprès. Ok. Alors, bah, justement, sans transition, Astroculus. Oui. Alors, tu te présentes. Alors, moi, bah, donc, je suis Astroculus, une chaîne que je dédie depuis un an maintenant aux éphémérides astronomiques, éphémérides que je réalise avec un logiciel qui s'appelle Space Engine, qui est un planétarium qui permet de se promener dans le système solaire, en dehors du système solaire, et je l'utilise pour faire des vues animées assez jolies pour mes éphémérides, dans lesquelles je présente chaque mois les planètes observables, j'explique un peu ce qu'il y a à voir, donc les croissants de Vénus, les satellites de Jupiter. Je fais d'ailleurs à chaque mois un nouveau tableau pour expliquer quels sont les prochains événements d'éclipse sur Jupiter à regarder. Donc à chaque fois qu'il y a des occultations, des passages d'ombre, etc. Et en deuxième partie de mes guides, j'essaye de présenter un peu les objets du ciel profond en fonction des saisons. Donc voilà. On a de l'écho, hein, Christophe. Ah bah oui, mais je sais pas d'où il vient. Sauf toi. En réalité, tous les gens disent ça. Bah oui, mais la question, c'est d'où vient cet écho? L'écho, je l'ai entendu dans ton live, en fait. Donc, oui. À mon avis, c'est toi qui as un souci avec la capture quelque part. Tu dois avoir une double capture du son. Une capture à la fois du bureau et du. Je sais pas. Bah ouais, mais je sais pas comment muter celui de la carte vidéo. Non, dans Discord, il n'y a pas d'écho, c'est sur YouTube. Ouais. C'est sur YouTube. Sur YouTube, oui. Mais il faut le paramétrer sur OBS, à mon avis. Tu dois avoir une double capture de ton son sur OBS. Ouais. Bah écoutez, je sais pas ce qui se passe là pour le son. Mais c'est... Tout à l'heure, il n'y avait pas d'écho. Donc. Au début, non, moi quand je t'ai entendu, il n'y avait pas d'écho, ouais. Donc je suspecte que ça vienne de quand vous démutez vos micros, en fait. Bon, et en dernier, Alex, qui est administrateur du serveur Discord de la chaîne Astro, enfin de la communauté Astro, pardon. Voilà. Voilà. Qui pratique voilà, aussi. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue avec les différentes questions des uns et des autres. Qui demande un pantographe. Alors, c'est bien avec des jumelles et une lampe de bureau. C'est top. Ben oui, il faut faire avec ce qu'on a. C'est pas bête. Il faut que ce soit dimensionné pour le poids de la. Pour le voilà, poids. C'est ça. Et au début, j'en avais fait un avec. Ah, pas d'écho depuis YouTube, apparemment. C'est un petit peu plié, donc. Le pantographe, c'est pas le truc qui sert à prendre le jus sur les caténaires dans les trains. Ouais, ça peut être ça aussi. Bah, c'est un principe mécanique, ouais. C'est le principe mécanique de déporter un poids, en fait. Ouais. C'est le principe mécanique, d'accord. En fait, ouais, tu déportes un poids et de l'autre côté, tu es obligé de mettre un autre poids pour pouvoir compenser. Ça fait une espèce de balance, quoi, si tu veux. Et en fait, en général, il y a des croisillons, je crois, normalement. Oui, d'accord, mais je vois. En fait, je crois que c'était un. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble aussi les grosses pinces, là, dans les dessins animés, là, qui servent. C'est un peu ça. Ouais, c'est très très pratique. Vraiment, enfin, bon, c'est cher, c'est excessivement cher ce qu'ils vendent. Bon, c'est sûr que mécaniquement, ce que t'achètes, enfin, j'en avais vu comme ça, c'est très précis, c'est vrai que c'est très agréable. Tu t'en sers En fait, je m'en sers pour mes jumelles. Parce que ce qui se passe, tu sais, quand t'as des grosses jumelles. Là, j'ai des 20-80.
et que, si tu les poses sur un trépied, le problème c'est que tu peux pas regarder très haut dans le ciel parce que tu vas buter contre le trépied et puis tu vas avoir la nuque complètement en l'air et ça va faire mal à la nuque. Et donc du coup le pantographe, ce que tu fais en fait, tu prends tes jumelles, tu vas les décaler du trépied, tu vas les mettre sur la gauche par exemple, et de l'autre côté tu vas mettre un contrepoids. Et du coup, ce qui fait que tu vas pouvoir mettre une chaise dessus et puis une chaise longue, n'importe quoi, et tu vas pouvoir regarder tranquillement depuis plus haut. Et je l'utilise aussi en rassemblement. Quand j'ai des personnes à mobilité réduite avec un siège roulant, du coup, ils peuvent profiter des jumelles. Bien sûr, télescope. Nous, dans le club, on a un télescope qui est justement spécialement fait pour les personnes à mobilité réduite, et on a un système de bord, en fait, c'est une monture azimutale, mais avec un contrepoids déporté. Et en fait, le télescope tourne, enfin, l'axe de rotation du télescope se trouve au niveau de l'oculaire. Ouais. Alors, attendez les gars, je vous interromps deux secondes. En fait, je suis en train de comprendre les problèmes de son, mais il faut que je corrige un peu les trucs. Ça prend le son de deux façons différentes. T'as deux micros, non? Bah écoute, c'est sa capture d'OBS, il doit avoir deux applications en. Deux applications qui prennent deux audios en même temps, c'est ça? Il doit récupérer le son du bureau et le son du Discord à tous les coups. Ouais, mais je suis en train de. Essaye de muter une des deux pistes. Et en Chine, Père Noël, hein? Là, c'est un peu galère, attends. C'est ça. De toute façon, entre ses problèmes de son et sa mouche tasse qui fend. C'est ça, des fois, que je dis, quand tu fais de l'astro, plus t'en rajoutes, et puis il y a des problèmes techniques. Ouais, mais là, c'est pareil. J'ai dû changer les paramètres, quelque chose. Les branchements. Affiche-nous ton OBS, là, sur Discord. J'ai trappé peut-être un œil. Non, je suis pas. SS. Non, mais j'aimerais bien. En fait, faut que j'arrive à ce que vous puissiez. Parce que je fais ça, on a un souci de son, c'est pour ça qu'ils disent qu'on est dans l'ISS. Comment vous savez que dans l'ISS on en fait il y a un problème de, c'est à dire que quand vous parlez ça repasse par mon entrée micro à moi, ce qui fait que t'as pas activé le mixage stéréo quand même? Non mais je sais pas ce qu'il est en train de me faire là, le zouave là. DJ Santa Claus. Il faut qu'on y arrive. C'est des mélangeurs de volume. Mais avant, il y avait des trucs qui étaient pas trop mal foutus sous Windows, mais ça devient de pire en pire, quoi. Ah ouais. Quand ils ont un truc qui fonctionne bien, ils sont capables de le supprimer. Ça doit être bon que quand toi tu passes. Ouais. En fait, il y a un problème de branchement, je pense. Il n'y a plus d'écran en temps de voir. Si vous voulez, on met les sous-titres. Va falloir embaucher quelqu'un pour faire les sous-titres. Voilà. Et là, est-ce que vous m'entendez? Parlez voir. Là, je les ai coupés. 1, 2, 1, 2, 3, 4, laisse son micro 1, 2. 1, 2. Ah, c'est pas possible. Vous m'entendez? Il y a les deux qui se font à la fois. Avant, t'as le mixeur de volume qui te permettait de régler aussi les. Mais toi, en partage d'écran sur Discord, qu'on y voit un peu plus clair sur ton réglage, peut-être. Ouais. Des fois, oui, c'est vraiment. Je suis désolé, les gens qui nous écoutent, mais c'est toujours la galère des branchements et des trucs. Et j'ai voulu mettre une rallonge là-dessus parce que sinon, je peux pas me balader et. ça m'énerve. Sinon, je prends ça, mais j'ai un câble plus court avec le risque que ça. Que ça coupe, c'est ça. Ça devait être ça. Je crois pas qu'on t'entende, Christophe. Non, mais il vient de débrancher son truc. Il a même un message nouveau périphérique audio détecté. Oui. Ah, ça peut être massif et maintenant c'est pas mal. C'est les joies du direct. Comme quoi on prouve qu'on est en direct, tu vois. C'est vraiment. Ah, oui. Loud and clear. Ouais, c'est bon. On t'entend, ouais. Effectivement. Le micro qui se déclenche, donc tu dois voir.
Petit souci technique. Ouais. Ah, j'ai de l'écho, moi. Voilà, normalement vous m'entendez séparément des autres. Parlez les autres. Bon. Ouais, ouais. Ouais, moi j'entends pas les autres, mais je t'ai entendu. Par contre, sur le live, on s'entend très éloigné. Là. Voilà, maintenant, normalement, ça devrait être bon, là, sur les deux volumes. Alors, redites-moi s'il vous plaît, là, dans l'audio du live, si vous m'entendez correctement, puis je vais essayer de faire avec ces câbles-là. Le son des intervenants a baissé. Ouais, on t'entend. Ouais, on n'entend plus que le... Ah, voilà, nickel. Le bon 50 Hz, c'est bon. Voilà. Mais clairement, il faudrait que je m'achète un casque qui soit sans fil Bluetooth avec une bonne qualité. Mais il y en a juste pour 250€, en fait, de ce que j'ai regardé. Le live, c'est bon. C'est bon, là, ouais. Ouais, c'est ce que je vois dans le chat. voilà. Mais ça coûte juste 250€. Et avec tous les investissements que j'ai fait, bah voilà, pour acheter ça, pour pouvoir essayer de vous faire des trucs supplémentaires lors des lives et tout, et ben à un moment donné, bon, il faut limiter le. Enfin, on a un budget qui est limité. Voilà. Je dis pas ça pour me plaindre, très sincèrement, j'ai du super matos Astro déjà, je m'éclate franchement avec. Mais comprenez bien qu'animer une chaîne YouTube ça coûte cher. Il y en a qui vous font des serveurs Discord privés à 49€ par mois, je crois. Nous on le fait intégralement gratuitement, intégralement bénévolement. Votre argent, bah, vous l'avez pour votre matos. Hein, comptez 49€ par mois à 12 mois par an, bah vous faites le calcul, vous pouvez vous acheter un télescope avec ça. Nous, tu rigoles, tu mets 80€, t'as un abonnement à CL Espace. 80€ dans l'année. Ouais, et en plus de ça, et avec ça, vous devenez intelligent et vous soutenez la presse française. Donc, bah, bien sûr. Exactement. Non, mais... Donc voilà, non, mais tout ça pour dire. Il y en a qui me soutiennent par Utip, il y en a qui me soutiennent dans le super chat, mais chacun doit être libre de ça. Mais comprenez que voilà, j'aimerais bien acheter un vrai casque machin, mais 250€ pour le moment, là j'ai quand même assez abusé ces derniers mois, donc voilà. Faut calmer la comptable. Ah ouais, la comptable elle fait la gueule, ça je peux te dire. Allez, on va aller redescendre sur les questions. On va aller revenir un petit peu sur les questions, sinon on n'avancera pas. Mais vas-y. À dire, c'est que si vous venez sur le Discord, allez bien en bas dans choix région, comme ça vous pourrez choisir la région et être prévenu quand il y a des événements dans votre région. Voilà. Alors, on continue. J'ai une 72D, ouais, là c'était le titre, on avait discuté, on en avait parlé. J'ai une 294 MC Pro, le système anti-buée qui s'installe à l'avant de la caméra est-il indispensable? S'il parle du verre qu'il y a devant, moi je conseille de le laisser. Hein, mais ça c'est à voir avec ton magasin. Je ne m'amuserai pas sincèrement à retirer le verre. Il faut savoir que des poussières sur un capteur, c'est très chiant à enlever. Surtout quand les pixels commencent à devenir petits. Donc personnellement, normalement, il me semble d'ailleurs que sur les caméras ZWO, il est possible que les caméras soient carrément remplies à l'azote, à vérifier. Et ça peut, et justement, pour éviter de la buée. Donc demande à ton magasin, mais moi je prendrai pas trop de risques. Je pense que c'est surtout pour éviter l'oxydation de l'électronique derrière aussi. Oui, l'humidité sur l'électronique, bon, il faut y aller quand même une bonne louche, mais normalement elles sont tropicalisées. Ouais, hein. Quand alors, tu fais du machin. Oui, c'est pour éviter d'avoir de la buée sur le capteur quand tu actives la fonction refroidissement. Parce que voilà. Quand tu as un capteur qui est à moins 10 degrés, je passe en te dire que si tu n'as pas de vitre, il ne va pas rester très longtemps sec. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Donc techniquement, chez ZWAO, la vitre est chauffée et le capteur est refroidi. Truc justement pour ne pas avoir de buée ni sur l'un ni sur l'autre. Et dans les faits, des choses comme ça, hein. Alors non, parce que ça reste des différences de température assez faibles. Ouais. Mais c'est toujours moins pire que la buée. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce que la buée quand on a c'est mort. Est-il possible de monter un APNL lunette 72 APO en parallèle sur une HEQ5? Oh, moi je pense que ça passe. Hein. 72 ED
ou 72 APO voilà. Sur, en parallèle avec un APN sur une HEQ5, je pense que ça passe. Moi pour c'est te dire. Kilos, je crois, la HEQ5. Ouais. Pour te dire, moi, ce que je fais, c'est que je mets le Samyang 135 avec, par exemple, A7R2, là, sur la Star Adventurer, et là, vous avez une vis, là. Et sur cette vis-là, alors il me semble que je l'avais dans la main tout à l'heure, ce truc-là. Il me semble que je l'ai sorti. Bah, je la trouve pas là. J'ai une rotule. Et sur cette rotule, eh bien, je place un deuxième appareil. Ou ça m'est déjà arrivé de mettre une équerre en L comme ça et de mettre deux appareils l'un sur l'autre en parallèle. Oh, merci Charline pour ton soutien. Ça, c'est gentil pour le casque Bluetooth. T'es adorable. Ah ouais. Je comprends. Ah, ça, c'est gentil. Et ça motive des gens aussi dans le chat. Allez-y, alors, envoyez oui. des messages. Donc, et puis c'est tout joli là en orange, là en jaune orangé, c'est joli, hein, c'est saillant. Hein. Donc voilà, de claquer les deux à la fois, tant qu'on est dans les limites de poids de 70% de la charge de la monture, et ben ça peut passer. Après, il faut faire le monture correctement et il faut faire gaffe à la flexion aussi, bien évidemment. Mais ça doit le faire. Pas trop de prise au vent en plus. Alors, une 80ED Esprit, ça c'est bien, ça qui mériterait une collimation avec des étoiles baveuses dans une orientation sur les plus lumineuses. Une idée de comment faire, qui le ferait ? Il faut regarder en fait, avant de pouvoir dire qu'il y a un gros problème de réglage, il faut regarder, c'est-à-dire si tes étoiles baveuses sont sur les coins mais toujours de la même façon, là c'est plutôt une problématique de back focus. Si par contre ton étoile est vraiment au centre et qu'elle bave dans une direction, là c'est qu'il y a un tilt quelque part. Ouais, ce que j'allais dire. Et clairement, c'est à voir avec ton magasin, parce que là aussi, les jeux sur les portes oculaires, on a tout fait de faire des conneries et de les vriller et de les péter. Il ne faut pas forcer un porte oculaire. Hein. Alors voilà, on va continuer un petit peu. Je vous fais confiance pour les modos pour le chat. Alors, Johan qui me demande un Mac 127 sur une AZ GTI, peut-on faire du visuel assisté planétaire ou un peu de ciel profond ou 72 ED sur AZ GTI? Alors, j'ai envie de dire que la AZ GTI, elle va être un petit peu comme la... Il faut que je fasse les calculs, parce qu'il le donne en fait dans la notice de la AZ GTI, quelle est sa précision au niveau du pas. Et j'ai eu le même problème sur le photostroke pour calculer les rapports de démultiplication, puisque j'ai refait la monture. Je ne sais pas si vous voyez là, mais la monture, elle est différente. Et j'ai refait le fer à cheval. Et donc, il faut calculer que tu fais 16 secondes d'arc, non, 15 secondes d'arc par seconde, et que selon la résolution de tes pas, et bien à un moment donné, tu vas avoir des avances et des retards dans ton suivi. Et donc, il ne faut pas forcément trop monter en focale. Alors, en planétaire, ça ira. En ciel profond, ce sera plus problématique. Donc, j'ai envie de dire que la AZ-GTI, tu peux faire du visuel assisté planétaire et tu peux faire de la photo planétaire. À mon avis, tu peux faire un truc excellent avec cette monture. Par contre, en ciel profond, sur le Mac 127, ça me paraît chaud. Sur la 72ED... Faut voir, ça dépend aussi de la taille des photosites de ton capteur. Avec un A7S, ça passera peut-être, mais sinon, ça va commencer à devenir chaud. Hein. Voilà, j'aimerais connaître la procédure de remisage d'un télescope après une soirée d'observation glaciale. Eh bien, tu le rentres dans ta maison, tu enlèves les bouchons pour que ça s'aère à l'ouverture. Et les oculaires, même chose, tu les mets pas dans des boîtes, tu le laisses. Il faut en fait que ça remonte en température et que ce soit en circulation libre d'air, pour que finalement l'humidité et la rosée qui s'est mise sur l'instrument puissent se retirer. Et une fois que toute la rosée et tout ça s'est retiré et que finalement l'instrument est redevenu sec, et ben tu peux le ranger dans un placard ou ranger à son emplacement normal. Mais effectivement, après une soirée bien glacée, quand tu vas le rentrer à l'intérieur, comme il est plus froid que la température à l'intérieur, il va se perler de rosée immédiatement. Et là, il faut vraiment qu'il puisse s'aérer au maximum de façon à évacuer l'humidité. Alors, ensuite, Jobdan. Alors, non, attends, tout le monde sauf Christophe. Ah ouais, non, mais non, c'est bon, hop, on a répondu. Voilà. Question de Simon Labergère, question sérieuse pour Christophe. Où est passé, tu es passé au Solex? Alors oui, j'en ai un, qui m'a été imprimé par Laurent, un abonné de la chaîne, via son club. Alors je le remercie vraiment mille fois, parce qu'il m'a fait toute l'impression gratuitement. Vraiment adorable. Sachez que c'est un intérêt d'aller adhérer à un club physique
plutôt qu'un club virtuel payant. Sachez que dans un club physique, vous avez accès à des outillages, vous avez accès à du prêt de matos, et dans les outillages, il y a des clubs qui s'équipent justement d'imprimantes 3D. Et donc la possibilité d'avoir... Oh là là, Jean-Pierre Astro, merci, Locite, merci, vous êtes adorable, franchement, ça me touche beaucoup. Donc, de pouvoir imprimer ça, justement, et de pouvoir bénéficier aussi du capital aussi un petit peu des gens qui ont de l'expérience, qui ont trouvé tel ou tel problème, etc., pour vous aider, c'est très très précieux aussi à ce niveau-là. Donc oui, il est imprimé. Oui, j'ai le kit de Chaillac Instrument, donc avec tous les éléments optiques. Je ne les ai pas encore montés. Je pense qu'on fera ça un soir, cette fois dans mon atelier à l'intérieur quand même. Je ne vais pas rester sur le balcon pour ça. Maintenant que je sais brancher l'appareil photo, là, puisqu'il est branché via une carte d'acquisition HDMI, encore un petit investissement pour la chaîne, ça n'a pas coûté très très cher, mais quand même au final à chaque fois ça additionne des euros. Et donc via une carte d'acquisition HDMI, eh bien, je peux brancher maintenant l'appareil photo et avoir une belle image. Vous voyez, pour les lives c'est quand même plus sympa, et donc je le mettrai comme ça en plongée et on va le monter ensemble. En fait, c'est-à-dire, en fait il est déjà monté le Solex. Mais par contre, j'ai pas mis les éléments optiques. Et en fait, Laurent, ce qu'on prévoit avec lui, c'est que Laurent sera en audio avec moi. Il va me dire, voilà, là, tu fais ça comme ça, machin, etc. Et donc, on va pouvoir démystifier ensemble, justement, la question du montage du Solex. Je pense que ça peut être hyper sympa. Alors, que penses-tu du Skywatcher Star Travel 120x600 pour débuter l'observation? Moi, je pense que c'est bien. C'est une lunette. Alors... On n'est pas, je crois pas, la Star Travel, ouais, mais je crois que c'est pas une lunette ED, hein, c'est une lunette, ça doit être un objectif Fraunhofer. Donc, pour du ciel profond, elle aura une bonne polyvalence. À fort grossissement, on va commencer à souffrir des aberrations de sphérochromatisme, donc un petit halo un peu violacé autour des étoiles. C'est d'ailleurs Laurent Oumar, j'ai fait un épisode sur les lunettes achromatiques avec lui, et il me disait que sa lunette qui avait le rapport focal sur diamètre la plus ouverte, là, la Bresser, parce qu'il en a deux des Bresser, mais il en a une qui est un peu plus ouverte que l'autre, et il souffre un petit peu de ce phénomène-là. Merci Tom pour ton soutien. Vraiment, vraiment adorable. Petite. Oh là, Eric Etienne aussi. Ah, oh, t'es adorable. Merci. Ah, ça me touche beaucoup parce que, voilà, j'aime pas demander de l'argent, mais en même temps, voilà, ce casque-là, moi, ça devient insupportable. Il s'arrache pendant qu'on est sur les lives et tout. Et si je pouvais avoir un casque Bluetooth avec micro, mais ce serait vraiment top, quoi. Surtout pour les prochains lives, l'objectif, c'est d'avoir ces deux-là. Et surtout au minimum celle-là qui soit carrément accrochée au balcon. Je suis en train de prévoir en fait un truc qui se griffe dessus. Merci Simon, t'es adorable. Qui se griffe en fait sur la grille là que vous voyez du garde-corps, et du coup elle va être au plus proche du ciel, ce qui va nous permettre d'aller attaquer des objets plus hauts. Et je pense à des nébuleuses comme le cœur et l'âme, le double amas de Persée, la nébuleuse de la bulle dans Cassiopée, tout ça. C'est des trucs qui peuvent passer en pleine ville avec ce setup, parce que je peux mettre un filtre contre la pollution lumineuse, et je mets un Sony A7S défiltré. Et pendant ce temps-là, je pourrais faire par exemple de l'amas ou du planétaire avec le photostroke. Et là, comme on sera sur un setup très automatisé, un peu nos prises de tête, je pense que je pourrais arriver à gérer les deux setups en même temps. Mais il faudra que je puisse me balader aussi sur le balcon, et d'où un casque Bluetooth, ce sera vraiment vraiment le top. Nous dit, merci Fabrice, c'était adorable. Parce que si j'en suis là en astro aujourd'hui, son travail est pour beaucoup. Merci. Ouais. Merci, merci beaucoup Simon, ça me touche beaucoup. Un peu plus pour le sans fil. T'es adorable. Voilà. Pour éviter de se toucher les fils. Donc voilà, non, la Star Travel, franchement, je pense que c'est une super lunette. Sincèrement, non prise de tête, pas de collimation. Bon, je pense qu'elle doit être quand même une lunette de 120, ça a commencé à devenir un beau bébé. Mais voilà. Et après, avec un filtre éventuellement comme le French Killer. Tu vas pouvoir accéder à des plus forts grossissements, mais voilà, faudrait tester. Merci Guillaume aussi, merci beaucoup pour ton soutien. Donc la comment dire, en planétaire ça peut être sympa, mais il faut voir jusqu'où. Sinon, à la limite, ce que tu peux faire, c'est la diaphragmer aussi un peu en planétaire. Tu la diaphragmes tu vois à 100 mm ou peut-être à 90 mm. Et là, en fait, tu vas limiter les aberrations chromatiques. Ce sera peut-être un petit peu mieux, en fait, en termes de rendu pour le planétaire. Sinon, tu peux travailler aussi avec des filtres
un peu plus monochromatique, les filtres colorés en planétaire, ça pourra t'aider justement à avoir un peu plus de contraste. Alors, je pense à m'acheter un réflexe pour la vie de tous les jours, potentiellement pour l'astro. Un appareil d'entrée de gamme comme le 2000D, peut-il faire l'affaire côté astro? En fait, oui. Effectivement, il y en a qui font de la photo avec un 2000D. Moi, ce que je te conseille de faire, si vous voulez, donc ça c'est Onites, hein, ce que je te conseille de faire, et ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vous acheter un APN, vous allez sur astrobin.com. Mettez le lien, là, les modos, dans la discussion. Astrobin.com, c'est un serveur qui héberge des photos d'astronomes amateurs. Merci beaucoup, Astrofan. Avec des dollars canadiens. T'es adorable. On va pouvoir t'entendre encore mieux. Bonne voilà, continue. Exactement. Et j'essaierai de travailler l'accent québécois. On va aller caler les orignaux et puis les... Oh, il y a un vol là de... Ah, magnifique. Un vol de d'oie. Parce qu'on a pas mal de lacs, en fait, dans la métropole lilloise. Et on a les oies qui passent régulièrement. Shiva, merci pour ton soutien, adorable, pour la moustache. Ouais, il commence à se bousiller d'ailleurs, mon costume de Père Noël, là. Oh tiens, je commence à avoir un trou là. La moustache tombante à gauche là. Ah bah ouais, mais c'est un peu... Ah oui, il y avait un nœud, voilà. Voilà. Ça fait plus vrai, c'est mieux. Non mais je pense qu'il faudra peut-être que je rachète un costume de Père Noël, surtout une taille plus grande, parce qu'en fait avec le Père Noël il commence à avoir du bide le Père Noël là. Vous savez, à la SNCF c'est ce qu'on appelle un TGV, un très gros ventre. C'est dans le jargon de l'entreprise. Ah bah oui. Au départ, tes petits jeunes embauchés, t'es tout plat, tu vois, t'es une vieille motrice. Un TER. Voilà, t'es un TER. Puis après, au fur et à mesure, tu vas sur la grande vitesse avec ton TGV. Par contre, si t'es un sale con, bah tu termines avec un nez cassé aussi. Il y a des locomotives, les bébés 15 000, 22 000 et 7 200, on les appelle les nez cassés. Vous verrez, c'est des formes un petit peu bizarres avec les pare-brises inclinés comme ça. C'est des anciennes locaux. Enfin bref, donc vous allez sur Astrobin et tu tapes EOS 2000D. Et tu vas trouver des photos qui ont été faites avec. Et donc c'est un très bon moyen de se donner une idée, excusez-moi, de se donner une idée de ce que les gens arrivent à faire avec tel ou tel appareil photo. Et de voir un peu les limites. Donc un 2000D, oui. Là où il faut faire attention par contre, c'est que le 2000D, je crois que c'est un 24 millions de pixels, si je ne me trompe pas, vous me corrigez dans le chat. On m'entend de loin. Ah, c'est le micro, pardon. Quand j'aurai le micro-casque, ce sera mieux. merci vraiment. Franchement, vous êtes adorables. Donc, le 2000D, vous allez sur Astrobin, mais je crois qu'il a des petits pixels. Et à un moment donné, vous allez aussi avoir des problèmes de rapport FD. C'est-à-dire, plus les pixels sont petits, il faut vraiment avoir un très bon instrument en face de ça. Donc le Samyang 135, il supporte des petits pixels, ça passe très bien. La 61 EDPH, je vais la tester avec le Sony A7 R2, qui est l'équivalent d'un APS-C 18 millions de pixels. Hein. C'est des pixels de 375, pour voir ce qu'elle donne vraiment en piqué d'image. Et même chose, si vous avez un Newton, il faut qu'il soit bien collimaté, parce que sinon ça se voit. Avec un Sony A7S, c'est plus permissif. Donc ça, il faut y penser aussi. Alors, poursuite des questions. Est-ce que c'est compliqué de suivre un objet du ciel profond avec un Dobson sans motorisation? Ah, bonne question, Scott. Alors, en observation, on va dire que tu peux aller jusqu'à 200 fois de grossissement sans motorisation. Et c'est là où, justement, alors hop, on va se déplacer un petit peu et on va faire un peu de pratique. C'est là où, moi, tu remarqueras une chose sur mon Dobson. Alors, on va lui mettre un oculaire quand même, c'est toujours plus sympa. Un panoptique 27, ça fait bon pour les yeux. Personnellement, ça fait mal au portefeuille, mais ça fait bon pour les yeux. Oui, enfin moi je l'achète d'occasion. Hein. Même d'occasion. Oui, même d'occasion quand même. Donc mon 400, moi j'ai mon œil directeur, c'est l'œil gauche. Donc quand je fais ma visée, je la fais comme ça, d'accord? Que ce soit avec le point rouge ou que ce soit avec une lunette, parce que je peux mettre aussi des lunettes de visée là. Quand je fais de l'observation, j'observe comme ça avec l'œil gauche. Et j'ai ma main droite
et avec la rotation du ciel, je le tire vers moi avec la main droite. Ce qui est très intuitif finalement, et ça évite d'avoir un mouvement trop important, parce que on est relativement précis quand on est en train de tirer quelque chose vers soi, on sera peut-être un peu moins précis quand on le pousse, mais surtout, tu as une limite, c'est toi-même. C'est-à-dire que quand tu es comme ça à l'œil, et ben quand tu tires, et ben forcément tu butes contre ta tête, tu butes contre ton œil. Donc, tu vas pas forcément avoir tendance à trop tirer. Beaucoup de Dobson vendus dans le commerce, le porte-oculaire est à gauche. Je sais pas pourquoi ce choix. Certains peuvent. Tu peux tourner moyennant quelques petits coups de tournevis à donner avant. Sur le Explore scientifique, tu peux pivoter la cage du secondaire de 45 en 45 degrés. Donc, tu peux du coup mettre ton porte-oculaire sur le côté droit. Mais quand tu as le porte-oculaire sur le côté gauche, et ben là, tu serais plutôt à pousser le télescope pour contrecarrer la rotation du ciel. Personnellement, je trouve ça beaucoup moins intuitif. Mais très sincèrement, jusqu'à 200 fois de grossissement, ça passe. Après, en planétaire, bah voilà, ça va de plus en plus vite, mais on y arrive. Sincèrement, on y arrive. Quand tu fais de l'observation seul, tu peux même aller jusqu'à 300 fois de grossissement. Par contre, quand tu es avec plusieurs personnes et que tu vas devoir donner l'oculaire à une personne, eh ben, tu vas devoir recentrer entre chacun des observateurs. Et c'est pour ça que moi, j'ai ma table équatoriale que vous voyez derrière, là. Et la table équatoriale, elle contrecarre la rotation de la Terre pour un télescope Dobson. Vous avez un tutoriel sur la chaîne pour vous expliquer comment la faire. Vous allez avoir, spoil pour 2022, un tutoriel sur la fabrication d'une monture en fer à cheval. Oh, merci Astroblog, merci pour ton soutien, c'est adorable. Vous allez avoir un tutoriel sur la construction d'un fer à cheval. Et après ça, je vous ferai le tutoriel sur la motorisation, donc par remotorisation Arduino d'un moteur EQ1. Et je vous ferai au moins un épisode pour faire le minimum du minimum avec une carte Arduino. Et je vous donnerai un code source minimaliste pour pouvoir au moins faire une motorisation minimale avec un Arduino. Je vous donnerai pas le code source du Photostroke parce que là, c'est plusieurs années de boulot. C'est un monstre. Mais et puis surtout un code quand c'est pas toi qui l'a écrit, c'est super galère à maintenir. Mais je vous donnerai un minimaliste pour pouvoir commander un moteur bidouillé comme ça. Ça coûte pas très cher à faire parce que c'est les petits moteurs EQ1 à 50€ là, à pile 9 volts. Et merci Eric pour ton soutien, t'es adorable. Après c'est un petit moteur à 2,50€ qu'on couple dessus. Et là le dernier montage que j'ai fait là, celui-là il marche bien parce que j'arrive à avoir un go-to. Enfin, le go-to est pas encore calibré, mais j'arrive à avoir une vitesse x128 de la vitesse sidérale avec. Donc ça marche pas mal. Je vous parlerai à un moment donné du micro stepping aussi à mettre en œuvre. Finalement ça marche et c'est quand même assez intéressant. Ton fer à cheval là, il est motorisé sur les deux axes. Ouais, tout à fait. Il est motorisé sur les deux axes. Alors attends, je vais essayer de te montrer le truc. Oups. Je voulais revenir là quand tu disais le. Il est, et en fait, le deuxième axe est motorisé. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir de là. Ouais, c'est tout petit là sur le truc. Attends, normalement j'avais préparé une vue zoom. Ah bah on est déjà sur la vue zoom. Alors bon. Voilà. En fait, là il y a une tige sans fin là. Il y a une tige sans fin et là il y a deux tiges sans fin en quinconce. Et en tangentiel là il y a une motorisation. Mais ça marche pas très très vite, ça il faut que je le refasse pour accélérer le truc. Ah là, je t'ai bien 20-30 secondes de décalage là. Ouais, sur la vidéo, ouais. Ouais, sur la vidéo. C'est les mémoires tampons. Alors. Je voulais revenir sur le suivi que tu disais là avec une monture manuelle Dobson. Il y a aussi le champ des oculaires qui sont assez importants. Ça te permettra d'avoir ta cible qui va se barrer moins vite. Qui va se barrer moins vite dans ton oculaire. C'est ce que j'utilise. J'utilise les 82 degrés moi sur quand je fais du dessin. Ouais, je suis à 200. Ça dépend des fois. Bah ça, voilà, exactement. Mais sans. T'as 250 fois. C'est vrai que tu dois remettre souvent, mais j'ai le même principe que toi avec le stroke. De tirer vers soi, c'est vraiment beaucoup plus pratique que de pousser. Ouais. Sans transition, voilà pourquoi est-ce que je suis passé sur des oculaires Naglaire. Qui sont des oculaires à 82 degrés de champ. Mmh. Mais vous avez les Explore scientifiques 82 qui sont vachement bien, qui font super bien le job. C'est vrai que, en fait, plus vous allez monter, donc avoir une focale courte, plus il est intéressant d'avoir quand même un grand champ. Alors, prenez pas forcément des 100 ou des 120 degrés, mais 80 degrés ou 70 degrés,
sur des oculaires de 9, 5 mm, etc., ça vaut vraiment, vraiment le coup pour éviter que ça chasse trop vite. Ça, c'est hyper important de se le dire. Le Naglair, l'essayer, c'est le garder. Ah oh bah ça, le Naglair, un Naglair, ça fait toute ta vie. Hein. C'est franchement, parce que la conception du Naglair, dites-vous que là, c'est David Naglair qui est le PDG donc de chez Naglair. Merci Edouard pour ton soutien. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est Al Naglair qui a inventé, c'est le père. Et là maintenant, c'est le fils qui est PDG de la boîte. Donc les Naglair, ça existe depuis quelques années déjà. Hein. Je sais pas si déjà dans les années 80 ou 90 ça existait déjà. Alors ils ont continué à les améliorer, mais voilà. Il n'y a pas de courroie, Eric, sur mon télescope. Aucune courroie. Pour l'ascension droite, c'est de l'entraînement direct. C'est un galet tangentiel en fait. Et sinon c'est de la vis sans fin tangentielle pour la déclinaison. Alors je continue. Il y a comment il s'appelle ? Il y a Goupil Astro qui vous salue. Goupil Astro, donc, qui est avec nous sur le serveur. Tu nous entends finalement correctement ? Je vois que Goupil, il a mis en. Non, il a des problèmes de son avec le Discord, mais il vous salue tous. Il l'a mis en fond son. Et bien, justement, sans transition, on va vous parler du serveur Discord, donc de la communauté Astro que vous pouvez rejoindre. Vous avez le lien dans la description et puis vous pouvez poster le lien dans le chat là. Le serveur Discord de la communauté Astro, c'est entre guillemets un club d'astronomie virtuelle, parce que c'est la grande mode d'appeler ça club d'astronomie virtuelle. Notre objectif... C'est un espace de discussion. Ouais, notre objectif, c'est de faire le lien avec les gens qui ne sont pas à proximité d'un club, pouvoir aussi justement rentrer en relation avec des clubs. Donc on espère pouvoir inviter des clubs avec nous, mais aussi des youtubeurs, créateurs de contenu, des gens intéressants, etc. Et pouvoir mettre du lien, pouvoir poser des questions, avoir de la réponse spontanée. Quand vous êtes observé, en train d'observer, vous pouvez partager votre écran, ce qui veut dire que vous êtes vous aussi en train d'observer, vous pouvez contacter quelqu'un qui est en train d'observer en même temps que vous et pouvoir poser une question, etc. Donc ça donne du lien, de la spontanéité, surtout de la dynamique et de pouvoir avoir des réponses très très rapidement en fait aussi. Et puis partager vos photos et tout ça, voir les photos des autres. Enfin, il y a vraiment des gars vraiment de qualité sur ce serveur Discord. Donc vraiment, ça, voilà. Les Naglair existent depuis les années 80 exactement et ça reste la référence. Alors, ils ont quand même amélioré un peu les formules, mais ça reste quand même clairement la référence. Il y a Edouard avec son super chat là, qui te posait une question. Ouais. Disait, salut, merci pour m'avoir initié à l'astro. Une question. On trouve des formules qui conseillent une Barlow x5 pour une 224MC oui. Et un 150-750, ce qui me semble ne pas coller avec ta vidéo. Alors, effectivement, il y a des formules. Alors, je ne sais pas si c'est pas Olive Dessau qui a fait ces formules-là, qui a refait les calculs. Il est vrai que la formule, moi, telle que je l'avais donnée, c'est une formule qui est basée en fait sur les lois de Foucault au niveau de la calcul du grossissement maximum. Et donc c'est une formule qui Foucault, il l'a fait par sa propre expérience avec les instruments qu'il avait à sa disposition et ça date quand même un petit peu. Depuis, on arrive à faire des instruments de meilleure qualité optique. Et puis surtout en photo du planétaire, on va pouvoir tellement mieux passer à travers la turbulence parce qu'on a des caméras qui sont maintenant de plus en plus performantes, qu'on arrive à aller un petit peu au-delà. Donc effectivement, il est possible d'aller au-delà de ma formule. Mais comme j'ai toujours dit, ma formule est une base de travail. Tous les instruments, et surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore une grosse maîtrise de la collimation, parce que maintenant, on est pour faire de la collimation à la caméra carrément, tous les instruments, en fait, moi quand j'ai débuté, très sincèrement, j'avais très vite une image floue, et donc il vaut mieux ne pas trop suréchantillonner. Après, quand on arrive à vraiment parfaitement collimater son instrument, et que le ciel le permet aussi, parce qu'il y a des jours où le ciel est bon, il y a des jours où le ciel est moins bon, il y a des endroits où le ciel est bon, il y a des endroits où le ciel est moins bon. Et quand vraiment le ciel est là, et que l'instrument est très très bien réglé, on peut suréchantillonner. Mais c'est pour ça que si vous prenez une Barlow, eh ben, il suffit d'augmenter le tirage, et de ravancer un peu la Barlow dans le tube, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir suréchantillonner. Quand j'utilise une Barlow x3 ici, je l'utilise en réalité quasiment à x4.
Quand j'utilise une fois 2, je l'utilise quasiment à fois 3. Pourquoi ? Parce que mon montage que j'utilise, alors je l'avais sorti justement parce que je me disais qu'on allait sans doute en parler aujourd'hui, il est là. Mon gros montage là que j'utilise donc pour faire ma photo du ciel profond, donc la barre low, la DC, la bague de tilt, la roue à filtre et le capteur de la caméra. Le capteur de la caméra, techniquement, il est souvent à ce niveau-là. Et par rapport à la barre low, on a un tirage qui est supplémentaire au tirage original de la barre low. Et donc à ce moment-là, je suréchantillonne. Donc en fait, tu peux suréchantillonner en jouant sur la barre low. Mais moi, j'ai envie de te dire, oui, une fois 5, ça peut marcher. Mais attention, parce que si jamais tu vas commencer à faire un montage comme ça, très vite, tu vas en fait aller au-delà de son tirage. Tu vas plutôt la tirer à fois 6 et à mon avis, tu vas peut-être suréchantillonner un tout petit peu. C'est un juste milieu à trouver, ça dépend de la qualité vraiment optique de ton instrument et ça dépend de la qualité de ton signe, etc. Et ça dépend aussi de la taille des photosites de ton capteur. Donc c'est tout un ensemble à avoir, mais je t'avoue que moi, très sincèrement, maintenant avec le 200 que j'arrive de mieux en mieux à collimater et qu'au final, progressivement, je prends de la bouteille, eh bien je vais pour suréchantillonner aussi un petit peu, quoi. Voilà. Alors. Question, je n'ai pas donc filtre. Un point que je rajouterais, c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop vite et de surenchaîner trop vite, parce que le risque, c'est de ne pas avoir l'expérience pour pouvoir interpréter ce qu'on voit, et donc être déçu et arriver dans un cul-de-sac. Ouais. Donc il faut vraiment arriver déjà à tirer le maxi avec un échantillonnage nominal, c'est-à-dire l'échantillonnage normal, et après de creuser la question. Très juste. Mais en fait, sur le photostroke, là, effectivement, il y en a un de vous qui en parlait dans le chat. Mon barillet est motorisé. Oui, mon barillet est motorisé. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur le code source du photostroke ces dernières semaines, notamment quand j'étais malade là, avec ma bronchite qui me défonçait complètement au niveau de ma capacité de parler, mais j'ai quand même réussi à avoir l'esprit suffisamment clair pour travailler sur le télescope. Et en fait, dans les modifs que j'ai faites ces derniers mois, j'ai modifié la façon dont la partie applicative commande la vitesse sidérale ou le x2, x4, x8, jusqu'à x128 de vitesse sidérale. Ce qui veut dire que maintenant, il va falloir que je fasse d'abord les essais pour y arriver, mais quand je vais commander les moteurs pour la collimation, je vais commander aussi les moteurs ascension droite et déclinaison pour compenser en fait le déplacement de l'image par le fait d'avoir bougé le miroir primaire. Et là, je vais pouvoir du coup à partir de ça vous faire une image, on va dire un peu pseudo-stabilisée de l'aspect visuel de la planète ou de l'étoile ou de la lune pendant que je fais varier la collimation. Et vous allez voir, ça va être hyper instructif pour justement arriver à comprendre les problématiques de collimation. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la collimation, il y a aussi la DC. Il faut arriver à comprendre tous ces trucs-là. Et globalement, c'est un peu itératif, c'est-à-dire je fais une première collimation laser, je fais un réglage ADC, je refais une collimation caméra, je refais un réglage ADC, et éventuellement, je refais encore une autre collimation caméra pour arriver à avoir un réglage parfait. C'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu itératif entre l'un et l'autre. Et c'est pas toujours évident et trivial d'arriver à comprendre, ok, mon truc il est oblong, mais c'est à cause de l'ADC ou c'est à cause de la collimation. T'as tout à fait raison de le préciser, Prosso, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec les différentes questions. Alors, Astrofan, j'ai pas encore de filtre UHC pour un filtre dual band L extrême avec un 150 PDS. Il fera pas de halo. Alors, quand tu parles de halo, bonne question, parce que les halos, ils proviennent quelquefois des correcteurs de coma et ils proviennent quelquefois du chanfrein. Donc, il faudrait vraiment que tu nous montres une photo de voir ce que tu as. Il faudrait l'envoyer dans le... il faudrait que tu vois dans le Discord. Il faut, voilà. Typiquement, voilà à quoi sert le Discord de la communauté Discord, Astro. C'est tout à fait à ça que ça sert. Il y a des questions. Si on ne voit pas l'image, on ne sait pas, pas très facilement dire. Les dual bands ou les L extrême
ou El Enhanced, c'est des filtres qui sont encore plus restrictifs en fait, et vraiment quand on a une forte pollution lumineuse, ça vaut le coup. Moi je peux vous dire que le El Enhanced ici, il me donne envie de faire du ciel profond chez moi, alors qu'avant je désespérais. Et pourtant le UHCS, il fonctionne bien. Arthur Schmidt qui pose une question. J'ai un Dobson 254 avec un oculaire 10-15 grand champ et un 25 pour les filtres UHC O3. Quel barlow acheter pour pouvoir observer les nébuleuses planétaires? Mets de l'argent plutôt dans un Arthur, oh. exactement. La barlow, j'ai fait le test. Oculaire de 10 mm avec une barlow x2 ou oculaire de 5 mm du coup sans barlow. Et ben le rendu est quand même meilleur sans la barlow. Ouais, et en plus, t'as ton champ qui est réduit. Enfin, c'est beaucoup mieux. Prends un oculaire. Voilà. Si c'est pour du visuel. La barlow. Je vais être très honnête. Pour faire de la photo. Là, voilà. La barlow, elle va servir pour le montage. Parce qu'en fait, la barlow va être indispensable. Barlow, ou on pourrait éventuellement le faire avec un glass pass. Il faudra que j'essaye. Ou avec un. Alors, on peut utiliser une PowerMate. Mais par contre, on pourra plus jouer sur le tirage derrière la PowerMate. Mais globalement, la barlow, ce sera pour augmenter le rapport FD devant un ADC. Alors que devant un oculaire, bah, ça rajoutera toujours un peu de diffusion, même une barlow télévue. Donc gardez ça quand même à l'esprit. Et on essaye de chercher le meilleur compromis. Et quand on est effectivement en planétaire sur des cibles très basses, bah voilà. Donc moi, je te conseillerais avec un instrument à F5. Moi, je te conseillerais de chercher pour un oculaire, pour une pupille de 6, donc un 30 mm, 6 x 5, 30. Un oculaire de 5 mm pour le grossissement max. Après, si vraiment très régulièrement, tu penses que tu peux aller plus loin qu'un 5 mm, eh ben, fais-toi prêter via un club, par exemple, ou lors d'une sortie astro, etc., de tester des focales plus courtes pour voir jusqu'où tu peux pousser ton instrument. Ça dépendra de sa qualité et de sa collimation. Et fais-toi un panel, en fait, à peu près de 2 en 2, ou, tu vois, 5. Là, maintenant, j'ai quoi ? J'ai 5, 9, 16, 27, 55. Moi, c'est ce que j'ai là, maintenant, comme écartement. Donc, un jour, je vous ferai un épisode sur mon range d'oculaire. Voilà, à peu près l'idée. Moi, ce que je te conseillerais. Après, le 30 mm, tu seras en 2 pouces, par contre. Ouais. Mais par contre, tu vas prendre une claque en ciel profond. Par contre, ouais, ciel profond, sur les nébuleuses, les grandes nébuleuses, ouais, c'est, surtout avec le filtre UHC, là, il parle de filtre UHC ou le filtre O3. Ouais. Un filtre UHC avec une grande focale, tu fais plaisir sur les grandes nébuleuses. Ouais. Et puis, apparemment, c'était surtout pour des. Il parlait de nébuleuses planétaires. Oui. C'est pareil, utilise un. Il faut trouver le bon. Moi, je vois avec. J'ai le 254, j'utilise 14 mm. 82 degrés, ça aide pas mal avec le champ à la trouver. C'est surtout ça qui est chiant, c'est la trouver. Mmh. Et une fois que tu l'as trouvé, tu pourras grossir, bien sûr. Non, mais ça, je pense qu'ils s'en doutent un tout petit peu, mais voilà, il faut avoir un bon range. Moi, je te conseillerais d'acheter un bon oculaire de 5 mm de focale à peu près. Par exemple, un Explore Scientifique 82. Ouais, il fait 4-7 l'Explore Scientifique. Moi, j'utilise beaucoup en planétaire, en lunaire. Bah après, voilà, ça dépend du ciel. Et ça dépend de la luminosité de ta nébuleuse planétaire, mais oui. Voilà. Voilà pour cette question. Alors, Scott Carlier, quels sont les filtres possédés quand on fait du ciel profond ? Eh ben, écoute, moi j'ai ma petite barrette de filtres. Hop, ma petite barrette de filtres. Alors, j'en ai une pour le planétaire, j'en ai une pour le ciel profond. Alors, pour le planétaire, là, je mets un filtre clear. C'est juste pour avoir toujours la même mise au point. Ensuite, j'ai un gris neutre 13%, celui-là, normalement, que je peux utiliser en lunaire. Ensuite, j'ai un rouge. Ce rouge-là, c'est le Bader 610 nanomètres. Il peut servir en lunaire. Par exemple, en photo lunaire pour apaiser la turbulence. Mais en visuel lunaire, c'est pas mal. Et après, le dernier que j'ai, c'est le Bader Continuum pour de l'observation solaire avec un filtre astrosolar. Donc ça, c'est mes filtres planétaires. Mes filtres pour le ciel profond, j'ai toujours un clear, enfin UV-IR cut, à la limite, ça mange pas de pain. Après celui-là, alors que je te dise pas de bêtises, c'est mon filtre UHCS Bader.
Donc celui-là, il est... alors voilà, attends, j'essaie de te mettre les... que tu puisses voir les couleurs, voilà, mais on ne se rend pas bien compte. Le UHCS Bader, celui-là, il est... on peut observer un peu de tout. Il est quand même un peu violent, je trouve, pour les galaxies, mais on peut encore l'utiliser en très forte pollution. Après, là, j'ai un vert, c'est l'oxygène 3. Je pense que c'est toujours un Bader. Et le dernier, c'est le H-Beta, toujours Bader. Alors, l'oxygène 3, avec un télescope de 200 mm, il sera encore un peu utilisable, ce sera difficile. C'est plutôt à utiliser avec des 300, voire des 400. Et le H-Beta, clairement, il ne passe plus beaucoup de lumière. Là, on sera plutôt pour l'utiliser avec le 400. Et en fait, ces passe-filtres, ils ont été faits avec une imprimante 3D. C'est un copain qui me les a designés et qui me les a imprimés. Et en fait, j'ai mon passe-filtre, là. Alors ils sont un peu durs quelquefois quand ils sont pas strictement alignés. Ouais, il a du mal à venir là aujourd'hui. Oh la vache. Faudra pas que je casse quelque chose quand même. Ouais, y a peut-être le... Je sais pas pourquoi il est un petit peu dur là pour le coup, mais peut-être que le bois a bougé avec la... Ah non, pourtant l'autre il passe bien. Vous voyez, donc en fait il est conçu pour... Ensuite, se placer, en fait, il faut que je l'efface sur ce porte-oculaire, mais j'ai des petits crans, en fait, pour pouvoir, en fait, bloquer le passe-filtre ensuite à la bonne position, qui correspond pile en face de l'oculaire, quoi. Et donc, moi, je prends toujours mes filtres en 2 pouces, parce que je peux mettre des oculaires 2 pouces, et je peux aussi les utiliser avec le correcteur de coma sur le 200. Alors attendez, la luminosité commence à baisser là, parce qu'il est quand même 15h38. Je vais juste changer un petit réglage là-dessus. On va pouvoir le faire. Alors non. Alors attendez. Moi je voulais juste dire un truc pour le Discord. J'invite tout le monde à mettre des petits cœurs dans le chat hein, pour tous les personnes qui sont admins sur le Discord, qui font un super travail. Ouais, ouais. Et je me suis dit, allez, un petit cœur, ça mange voilà. Pas de pain, ça fait du je bien. Je pense que l'image là, elle est un peu plus lumineuse, là. Voilà, hop, on va faire comme ouais, ça. Voilà, c'est un peu plus clair, là. Parce que là, je suis éclairé juste par la lumière naturelle, et puis bah, dehors, ça commence à baisser, hein. C'est le nord. Hein. Allez, on va continuer avec les différentes questions. Jean-Pierre Astro, je ne sais pas si tu vas parler... solaire, mais au cas où, prisme de Herschel vaut-il mieux qu'un filtre astro-solar? Segundo est-il compatible avec un K-Line? Bonne question. Alors, oui, les prismes de Herschel, c'est assez réputé en termes de qualité. En fait, il y avait Laurent Bourasso, il était question qu'il vienne sur ce live. Et en fait, écoute, je vais essayer de demander à Laurent Bourasso de venir demain. Il a dû avoir un contretemps pour pas pouvoir venir aujourd'hui. Parce que je crois qu'il avait dit qu'il viendrait. Lui, il possède un prisme de Herschel et il connaît bien. Donc, je préfère pas trop te dire de bêtises. Effectivement, en toute logique, normalement, le prisme de Herschel est vraiment meilleur encore en qualité que le astro-solar. Et effectivement, le prisme de Herschel, je crois qu'il renvoie quand même peut-être au moins 5%. Donc, avec un K-Line, ça doit pouvoir le faire. Il faut voir, mais ça doit pouvoir le faire. Mais je le prends pas pour argent comptant, s'il te plaît. Voilà, on est dans le domaine de la réflexion de la super. Pour voir Saturne et Jupiter, réflecteur 700 par 76 pour commencer. Alors, ouais, Tony, c'est le 76-700, ça reste un petit instrument. T'es petit en diamètre, donc ça reste un petit peu limite. Un 115-900, bah là t'en as un derrière, ça se trouve régulièrement d'occasion, ce sera déjà toujours un peu supérieur. Bon, il faut bien le collimater. Plus tu vas monter en fait en diamètre, plus tu auras de pouvoir séparateur. Tu vas pouvoir les voir, mais tu n'auras pas forcément beaucoup de détails. Avec un 115-900, tu peux avoir les bandes sur Jupiter, tu peux quand même mieux distinguer les anneaux. Quand elle est très haute, c'est pas trop le cas actuellement, tu peux mettre en évidence la division de Cassini. Dans mon épisode sur l'observation de Saturne, y a un Marocain avec un 115-900 Mizar qui a réussi à photographier la division de Cassini. On la devine quasiment. En fait, on voit les deux différences de couleur des anneaux inférieurs et supérieurs et il arrive à les mettre en évidence. Et donc, tu peux mettre en évidence aussi en photo avec un 115-900 un peu la grande tache rouge.
En visuel, il faudra qu'il soit parfaitement collimaté. Avec un 115-900, non, c'est avec un 130-900 hein, qu'on a, comment il s'appelle, notre furieux de la collimation. Là. Ouais, lui, il fait des photos complètement dingues avec. Donc voilà, essaye d'économiser pour monter Théo. Un peu en diamètre. D'ailleurs, Théo, il faudrait qu'on a, qu'un jour, tu fais un live. Il faudrait qu'on fasse un live avec lui. Hein. Exactement. Bon, en fait, un jour, il faudrait qu'on se fasse un live depuis chez toi à 3. Ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, je... Il s'invite chez toi. Oh bah écoute, on va taper l'incruste. Hein. Et t'as raison. Écoute. Surtout qu'au coin du feu, il fait chaud. Ouais, non, on le ferait sur son balcon, hein, mais il est sympa, il y a des petites flowers et tout ça. Alors, Alain, qui me demande, je sais pas si la question a été posée, j'arrive juste sur le... Quel Barlow avec le correcteur ADC, avec l'ADC, Pyro Astro MK3? Je suis pro télévue, une normale, une Power Mate. Alors, effectivement, c'est une très bonne réflexion. Moi, j'utilise les Barlow x2 et x3 suivant le tirage et le grossissement que je veux obtenir. La Power Mate aura cet intérêt-là, c'est que tu peux jouer sur le tirage derrière, en fait, tu vas pas augmenter le grossissement ou quasiment pas, donc ça peut être pas mal, mais tu peux du coup pas suréchantillonner si tu avais envie de le faire et si tu avais la possibilité de le faire. La Power Mate, elle est quand même un peu plus télécentrique. Donc peut-être que la qualité absolue de l'image au final sera peut-être supérieure un peu avec la Power Mate. Mais moi je vois beaucoup des gens que beaucoup de gens qui utilisent qu'il avait un C11 après. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'en avec un très ouais, OK, ça marche. Okay. Avec un C11. Ouais, ça roule. À tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, merci. Avec un C11, si tu prends une x2, tu vas te retrouver à F20 déjà. Donc là, tu vas pouvoir faire des trucs sympas. Et ça tombe bien parce que c'est le ratio que moi j'utilise. Donc tu vois un peu déjà les photos qu'on peut sortir. Toi, tu utilises quoi comme Barlow? Une PowerMate x2. Ça marchera très bien. En fait, ça marchera très bien avec une PowerMate qu'avec une Barlow Télévue. Ouais, clairement. Sachant que je suis avec des pixels de 3,75. Voilà. Après, il faut passer à la x3 si tu es sur un capteur photo couleur. À cause de la matrice Bayer qu'il faut un peu suréchantillonner pour garder ta qualité. Ouais. Voilà, et Christophe, en... up. Petite demande pour demain, comment faire des flats avec un APN plus démonstration en direct live SVP. Alors Christophe, t'as quand même mon épisode sur les fichiers de calibration où je pense que j'ai bien expliqué le truc, et puis t'as aussi mon épisode sur comment te fabriquer un écran à flat qui marche bien et pas cher. Sachant que truc que j'avais pas précisé à l'époque de cet écran à flat, c'était un écran à flat que j'ai fait qui s'alimente en 12 volts, mais il y a un mais, c'est que cet écran à flat 12 volts, il peut s'alimenter, et ça on ne le dit jamais, ces trucs là, vous savez, c'est de la, comment dire, c'est du phosphore, c'est des machins en phosphore qui, quand il est excité électriquement, commence à s'allumer. Et ben ça peut s'alimenter en 5 volts. Donc là moi j'ai mis un petit connecteur USB, je vais vous faire la démo, vous allez voir. Donc en fait, on peut l'alimenter entre 5 et 12 volts. Il sera juste plus lumineux. Mais en fait, moi, ce que je craignais, c'est qu'il soit... alors, je ne sais pas si on arrive à voir un peu qu'il s'est illuminé. Attendez, hop. Là, je vous l'éteins. Là, je vous l'allume. Vous voyez, il est un peu rosé. Mais ça fait vraiment bien le job. Et c'est bien homogène, même en 5 volts. Il suffit juste de brancher l'alimentation 5 volts au lieu du 12 volts dessus. Du coup, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir de power tank 12 volts avec moi quand j'utilise mon écran à flat. Et j'avais acheté un powerbank. Attends, est-ce qu'il est là? Oh, je vous raconte pas le box qu'il y a sur le bureau à droite. Power delivery. J'avais acheté ça sur Amazon. 150 euros, il m'a coûté quand même le bousin. Je l'avais acheté en vue de l'éclipse de juin pour pouvoir alimenter le PC et assurer si jamais j'étais en mobile. Et bien en fait, non, c'était pour le transit de. C'était pour la grande conjonction. Et bien ce machin-là, il a une sortie qui peut monter jusqu'à 20 volts pour les PC et elle est grillée. Donc, et comme c'est elle aussi qui sort pour le 12 volts, et bien j'ai plus de 12 volts sur ce truc-là. Et par contre, ce truc-là, là, c'est le truc de chez Omegon que je viens d'acheter, Omegon Pro, et lui il a une sortie 12 volts. Alors il faut que je trouve un adaptateur, en fait. Ça doit pouvoir exister, ça. Comment c'est foutu leur truc? Parce qu'il a une sortie carrément directement allume-cigare. Voilà, je sais pas si on arrive à bien voir. Franchement, il est pas mal, ce truc là. Donc il a des sorties USB normales et USB type C.
Et puis c'est un truc rembourré un peu caoutchouteux, isolant, avec une partie lumière là. Franchement, il est pas mal ce truc chez Omegon Pro. Voilà, un petit peu. Question sur l'autoguidage. Est-il obligatoire d'avoir une caméra dédiée à cette tâche ou est-ce que les applications permettent d'utiliser l'image de la caméra principale? Alors, oui, ils le peuvent en planétaire. Mais en ciel profond, je crois que ça commence à se réfléchir des capteurs qui pourraient faire à la fois autoguidage et prise de vue. Mais je crois pas que ça existe encore en astro. Je ne sais pas trop où on en est là-dessus. Non, on peut pas pour une simple bonne raison, c'est que quand tu es en expo longue, le capteur principal ne te donne pas d'image intermédiaire. Alors ça, on est bien Tu d'accord. fetches Ouais. la caméra qu'à la fin. Par contre, en planétaire, vu qu'on a du framerate assez élevé, on Oui, pourrait faire du tout à recentrage. fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué JLD dans une de ses vidéos. Ouais, mais je sais pas s'il n'y a pas des capteurs justement avec des doubles pixels ou des trucs comme ça qui sont en cours de mise au point. Je sais pas trop. Mais pour le moment, effectivement, il faut bien comprendre que quand tu fais une pause de 30 secondes avec ton capteur, avec ton appareil photo numérique, etc., pendant les 30 secondes, ton capteur, il ne fait rien. Il ne fait que transformer des photons en électrons et les capter dans et les garder dans un condensateur. Et au moment où on va lire l'image après les 30 secondes, là, on va récupérer ce qu'il y a eu comme électron dans le petit photosite. Et donc, du coup, si tu veux faire de l'autoguidage, il faudrait faire ça toutes les secondes. Mais donc, du coup, tu peux pas. L'utilisation, elle est contraire, en fait. Hein? Voilà un petit peu par rapport à cette question-là. Mais bon, l'ADC en visuel. Pertinent, ben moi je peux te dire qu'en planétaire, l'ADC en visuel là-dessus, ça déchire sa race. Clairement, je monte au moins à 600 fois de grossissement, quelquefois même. Ouais, je monte régulièrement à 600 fois de grossissement avec celui-là, en planétaire, et là, l'ADC prend vraiment, vraiment toute son importance. De toute façon, ce que tu as à l'image en photo planétaire et où tu vois l'intérêt de l'ADC quand tu fais ta prise de vue, ben tu as la même chose en visuel. C'est puisque c'est la même image aérienne au final. Donc oui, l'ADC en visuel, il est hyper intéressant, très clairement. Je pose une autre question du coup. Si la PowerMate 5 peut bénéficier du tirage, contrairement aux autres PowerMate de Télévue, quel est l'intérêt par rapport à une Barlow x5? En fait, l'intérêt, c'est que ta PowerMate, c'est pas tout à fait une Barlow, elle est plutôt télécentrique. C'est-à-dire qu'en fait, elle va rendre les rayons parallèles. Or, pour passer dans les prismes de l'ADC, il vaut mieux avoir des rayons très parallèles. En fait, elle corrige des rayons qui pourraient partir complètement en live, surtout si tu as un rapport focal sur diamètre assez bas. Donc la PowerMate, elle va devenir intéressante dans ces conditions-là. À la limite, ce que tu peux aller faire, c'est que tu recherches le site de Serge Bertorello, où il explique la question justement des télécentriques. C'est assez difficile à comprendre. J'espérais voir David Nagler au RCE pour lui demander vraiment de bien nous expliquer la problématique justement des rayons télécentriques. On l'a abordé un tout petit peu dans l'épisode justement sur le choix des oculaires avec lui, mais c'était un peu limite. Voilà, l'image elle devient trop lumineuse là. Le ciel s'est un peu éclairé, on dirait. Voilà, en powerbank, tu as l'USB PD, power delivery jusqu'à 100 watts. Ils vont monter la norme à 240 watts, 240 watts dans un câble USB. Oh la vache, effectivement. Voilà à peu près. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on voit sur ce live-là? Il va bien, il est 4h moins 10, donc on pourrait éventuellement voir un peu un autre truc. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on parle de la mise en station? Est-ce que vous voulez qu'on parle des trucs basiques? J'ai pas vu dans les questions le truc de base, je viens de m'acheter un télescope, je ne sais pas comment l'utiliser, etc. Mais on peut si vous voulez. Dites-moi dans le chat. Ouais, j'aimerais bien avoir David Nagler un jour sur la chaîne. Ouais, Serge Bertorello. Ouais, c'est vraiment une référence, hein, Serge Bertorello. Voilà, dites-moi dans le chat. Moi, je suis à votre disposition, hein. C'est à vous de me dire ce que vous attendez du Père Noël. Punaise, mais c'est vrai que ça doit être un truc qui doit être fait là. Il doit être fait pour les gens tout fins. Pour passer dans les cheminées, moi j'ai plus le gabarit là. C'est normal que ma planète se Il a barre quand je minci... règle Il mon a ADC. minci...
Alors oui, Jean-Pierre, c'est tout à fait normal que quand tu bouges les tirettes de l'ADC, puisque ce sont des prismes, ça fait une déviation de la lumière. Donc c'est normal qu'elle se barre pendant le réglage des prismes. Tout à fait. Et ça fait partie des... Mais avec l'habitude, et pour moi c'est plus visuel avec ma façon de régler les prismes, hein. Mais avec l'habitude, tu sauras, tiens, la planète elle est à 30 degrés, ok, mes prismes, j'attaque déjà avec des... Voilà, à 30 degrés, je vais peu faire de trucs. Alors moi je travaille différemment du manuel, hein. Mais par exemple, voilà, avec 30 degrés, moi je serais plutôt... attendez que je retrouve un peu mes billes, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, avec 30 degrés, j'ai peu d'influence. Et quand, par contre, si on est quand même assez bas, une dizaine, une quinzaine de degrés, ben voilà, je commence d'office avec des prismes déjà un peu plus orientés. Et après, c'est avec Fire Capture que je vois ce qu'il faut faire. Voilà. Passer d'une EQ6 à une CGX, la différence de qualité et de facilité d'usage est folle. Je trouve dommage qu'on parle si peu en général en astro des montures Célestron. Alors, Guillaume, concernant les montures Célestron, bon, Célestron est une marque de référence, c'est une évidence. Néanmoins, j'ai eu aussi des échos de personnes qui avaient eu des gros problèmes avec Célestron. Et puis, une des difficultés sur Célestron, c'est l'importateur. Parce que l'importateur, quand on lui dit, bah écoute, j'aimerais bien travailler avec toi et faire connaître les produits de chez Célestron, etc., et ben le mec, il te rit au nez, il te prend pour un con. Donc je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Je l'ai contacté, j'ai eu son téléphone privé à ce monsieur. Mais voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Oui, alors, Skywatcher est très bien distribué en France, avec une grande politique de communication, mais chez Célestron, c'est pas le cas. Vas-y, vas-y, après, Conso, tu connais mieux que moi. Mais... Voilà, pour avoir eu une CGEM2, je connais assez bien Célestron. Côté utilisation et configuration de la télécommande, c'est vrai que c'est assez pratique, il propose des étoiles assez simples, ça se marche très très bien. Le problème, c'est que dès que tu vas vouloir faire du contrôle, par exemple, d'autoguidage, tu es obligé de passer par la télécommande et tu ne peux pas utiliser EQ-Mode. Donc, d'un côté, pour l'utilisation en nomade avec la télécommande en mode solo, c'est vraiment pratique. Pour des besoins très spécifiques, par exemple, quand tu veux la programmer dans le CPC, par exemple, pour l'ISS, c'est aussi très pratique. Mais dès que tu vas vouloir utiliser des softs open source qui utilisent surtout EQ-Mode, ça va être compliqué du fait que bah, ce n'est pas une EQ à la base. Mais globalement, les montures ne sont pas mauvaises. Elles sont souvent pas réglées par contre, donc il faut les régler le jeu, mais on en a pour son argent. Moi personnellement j'aimais beaucoup ma CGEM2, maintenant j'utilise la tête micro-ondes, donc techniquement je suis passé à une monture qui m'a fait un peu oublier ma précédente, mais la CGEM2 marchait très bien. Un voilà. Point d'ailleurs que je veux préciser à tout le monde, quand vous rangez vos montures, desserrez les freins. Toujours. Les montures équatoriales. Une monture toujours. Équatoriale ne doit jamais être rangée frein serré. Parce que si vous serrez les freins, ce sont les vis sans fin qui empêchent la monture de bouger. Et donc, si elle prend un choc, c'est la vis sans fin qui le prend. Et ça, c'est pas bon. Et l'autre chose qui est conseillée, c'est d'enlever le tube et d'enlever le contrepoids. Exactement. C'est-à-dire que c'est un point qui est très important sur une monture équatoriale de précision sur des gros engins, comme les CGEM ou les Telmicron. La procédure de montage, c'est d'abord de monter les contrepoids. Une fois que vous avez monté les contrepoids, vous serrez très légèrement les freins pour que ça soit glissant, mais pas trop. Vous montez votre cube à l'équilibre. Normalement, vos contrepoids étant en bout de barre, votre monture ne va pas tomber. Une fois que l'ensemble est équilibré, c'est là que vous serrez les freins. Mais surtout, on ne doit jamais serrer les freins pour compenser le fait que le tube est déséquilibré. Si vous faites votre vis sans fin va s'user ou s'abîmer. Et à ce moment-là, votre suivi va être dégradé notablement. Voilà. Donc c'est un point très important. Une monture se transporte et se stocke toujours frein desserré. Alors là, je vous montre la question de l'équilibrage sur la Sarah Adventureur. Vous voyez, là, je ne touche rien, ça ne bouge pas. Par contre, je donne une toute petite pichenette et hop, ça part. Et c'est normal. Il faut que la monture, il faut que les pignons soient en appui de poussée. En fait, par rapport au mouvement qui va être réalisé. Si jamais vous étiez parfaitement équilibré, vous allez avoir un phénomène d'oscillation qui va se faire.
sur les mouvements de la monture. Donc on laisse un très léger déséquilibrage, mais il est tellement léger qu'il n'y a vraiment pas d'effort en fait. Donc en fait, là vous n'allez pas faire souffrir votre monture avec un léger déséquilibrage comme ça. Mais il faut toujours le faire. D'accord ? Voilà, mais surtout ne vraiment pas oublier de ne jamais manipuler les contrepoids ou le tube, surtout s'ils sont lourds, avec les freins serrés. Sinon, vous allez abîmer votre monture de manière... Alors, dans un premier temps, vous allez, abîmer les roues et vous allez donner du jeu à l'engrenage. Et le jeu, en suivi, on n'en veut pas. Ah, donc bah c'est ça, c'est mauvais. Ouais. Voilà, et moi, on ne me l'avait pas dit quand j'avais ma première CGEM et je lui ai donné du jeu en la rangeant justement avec les freins serrés. Donc, c'est pour ça que autant profiter d'un petit newbie que je suis de rappeler à tout le monde qu'il ne faut jamais stocker ou transporter sa monture freins serrés. Voilà pour vous donner un petit peu l'idée. Alors, question d'Edouard sur la 150-750 PDS. Après la mise en station, quelle erreur RMS total max je dois viser? Là, on parle de l'erreur quoi, de la mise en station ou de l'erreur de suivi? Là, je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question. Non, je pense que ça doit être l'erreur globale du suivi. Bah, après, ça dépend vu qu'il aussi. Vu qu'il parle de RMS, à mon avis, c'est une valeur qui est issue de pH2. Ouais. En fait, donc... il faut garder à l'esprit que ça dépend aussi de la longueur de tes pauses. C'est sûr que si tu fais des pauses de 30 secondes, tu auras plus de tolérance que si tu fais des pauses de 2 minutes, voire 5 minutes. Et après, c'est la question de l'autoguidage. L'idée, c'est que si tu as un échantillonnage sur le photostroke, par exemple, avec le Sony A7S, j'ai un échantillonnage de 2,2 secondes d'arc, et il faudrait idéalement avoir au global le RMS à 1,1 seconde d'arc, c'est la moitié de l'échantillonnage, pour que même si tu as des petites variations, tu restes quand même sur la même portion de ciel, vraiment sur le même pixel, quoi. Et ensuite, régulièrement, recadrer un tout petit peu de quelques pixels, faire l'effet de dithering. Ça, je vais en parler, je suis en train de préparer un épisode sur l'autoguidage. J'attends d'avoir un bon ciel dégagé, parce que là, le ciel, il est nuageux blanc, pour pouvoir vous parler de ce sujet-là. Mais donc, effectivement, la moitié, normalement, de ton échantillonnage. Alors, Sky Safari Pro sur un smartphone pour chercher en Dobson. Oui, moi-même, c'est ce que je fais. Sky Safari Pro, oui, bien sûr. C'est ce que j'utilise quand je suis avec celui-là. Et surtout, que tu peux mettre en plus de ça le cadrage de ton oculaire dessus. Donc ça, c'était job. Scott, comment calcule-t-on le grossissement final ? Oui, vas-y. Tu peux même mettre tu peux même programmer des cibles pour ta soirée et tu peux même les cocher ce que tu as observé, ce que tu as pas observé. Ouais, ça, je l'utilise pas trop, mais oui, effectivement, tu peux. Moi, j'aime bien. Alors, comment calcule-t-on le grossissement final ? Eh ben, c'est très simple. Focale de l'instrument divisé par focale de l'oculaire. Donc, là, j'ai 1800 de focale. J'en ai panoptique 27, j'en ai 27. 1800 divisé par 27, j'ai mon grossissement. Quand je mets mon 55, 1800 divisé par 55, j'ai mon autre grossissement. À la limite, ce que je vous conseille, si vous avez un instrument, ce que vous pouvez faire, c'est tout calculer. Vous imprimez ça sur une petite feuille et puis vous la collez, vous la scotchez sur l'instrument. Comme ça, vous avez le truc directement qui est inscrit pour vous faire un peu une idée. Si vous avez une Barlow x2, focale de l'instrument multipliée par le rapport de la Barlow, donc par exemple multipliée par 2, divisée par la focale de l'oculaire. Ou sinon, vous pouvez faire aussi focale de l'oculaire divisée par le rapport de la Barlow, ça fera la même chose. Alors, quel conseil organiser sa soirée astro, mise en station, observation, collimation, prise de vue, recherche, objet. Alors, je comprends pas ta question, Yoda. Moi, les conseils... Enfin, vous avez pas mal de tutoriels sur la chaîne pour la préparation d'une soirée astro. Moi, ce que j'ai envie de dire, bah, c'est qu'il faut effectivement identifier le ciel qu'il va y avoir et se donner quelques idées. De se dire, voilà, ce soir, j'aimerais essayer d'observer ça, observer ça, observer ça. Et essayer progressivement de se faire une intelligence critique de ce que votre instrument vous permet de faire et d'observer. Et puis après, effectivement, bien s'habiller, bien chaudement. Là, en dessous, par exemple, j'ai les trucs que je vous ai montrés, c'est-à-dire l'espèce de chaussettes en...
Mais je sais pas en quoi c'est, mais les trucs là de chez Decathlon, plus ensuite le pantalon de randonnée de Decathlon, plus ce truc là par-dessus pour pas avoir froid. Ça, c'est hyper important de bien s'habiller. L'instrument, c'est important de le protéger contre la rosée, par exemple avec la couverture de survie. Voilà un petit peu. Et puis bah, tu arrives, tu fais ta mise en station, tu fais ta collimation, tu fais bien tes réglages, et puis après ça, rouler jeunesse, tu te fais plaisir, quoi. Voilà. Mais en fait, il y a 250 tutoriels sur la chaîne. Donc, regarde dans ma playlist, préparer une soirée astro. Si tu fais de l'astrophoto, tu as une playlist sur la photographie du ciel profond. Et là, tu auras quand même pas mal de conseils. Alors, remarque de LH. J'ai pas hésité aussi à avoir un plaid. Oui. Moi, dans mes valises qui me servent à transporter les strokes, j'ai toujours en fait j'ai toujours un duvet qui me fait office de plaid aussi. Voilà, ça a une double utilisation, c'est que ça permet de pouvoir ranger dans la valise sans risquer d'abîmer les choses dures, et de l'autre, quand le tube est monté, de pouvoir avoir chaud. Exactement, toujours l'esprit Stroke, la même chose peut servir deux fois. Voilà. Le power tank peut servir aussi à recharger le smartphone pour des questions de sécurité. J'entends beaucoup parler de faire repolir le miroir primaire chez un artisan pour améliorer la qualité, mais je n'entends jamais parler de l'amélioration optique du miroir secondaire. Bah, en fait, repolir un miroir secondaire, c'est faisable, mais je ne l'ai jamais trop vu faire. Moi, le mien, je l'ai acheté à neuf chez Franck. Donc, le primaire, il a été poli chez lui. Le secondaire, je l'ai acheté à neuf chez lui. Voilà, pour répondre à ta question. Mais oui, effectivement, tu as raison, le miroir secondaire, c'est très très important. Très très important également. Alors, n'est-il pas dangereux pour l'ordi portable de le laisser dehors dans la nuit? Alors, en fait, ton ordinateur, quand il tourne, il chauffe toujours un tout petit peu. Donc ça peut limiter un tout petit peu la rosée. Mais oui, effectivement, idéalement, si tu es sur une soirée où il y a beaucoup de rosée, il faudra que je vous fasse un épisode dessus. Moi, je me suis fait un petit abri pliant pour pouvoir mettre l'ordinateur portable dedans. Et forcément, quand il est un peu plus enfermé, déjà, il conserve un peu mieux sa propre chaleur. Et donc, à ce moment-là, il est quand même un peu mieux protégé de la rosée. Mais tu as raison. L'astuce, moi, je mets du papier bulle dessous et dessus. En fait, je mets une petite poche de papier bulle. Ouais, ça peut. Tout le monde a du papier bulle, ouais. Ouais, ça peut aider, ça peut aider ça aussi. Tiens, il y a Moi qui m'a soutenu aussi sur Utip. Merci beaucoup pour ton soutien. Je viens de le voir. Alors, on continue. Alors, oui, on reparlera du Discord après. Connais-tu le projet Lucie concernant la construction d'un radiotélescope à base de paraboles satellites? Je suis pas du tout au courant, ça, Jean-Pierre. Ça peut être intéressant, effectivement. Si, viens sur le Discord pour nous en parler, nous faire connaître un peu le sujet. Ça peut être hyper intéressant. Moi, personnellement, je ne fais pas de radioastronomie, mais ça peut être sympa, pourquoi pas. Scott Carlier, combien de temps doit-on attendre avant qu'un télescope ne soit mis en température? Ça dépend du différentiel de température intérieure et extérieure. Ça dépend si tu vas faire juste du visuel ciel profond, du visuel planétaire ou de la photo. Très clairement, ça peut aller de une demi-heure, dans le meilleur des cas, à 2-3 heures, selon les instruments. En général, ce que je donne, Christophe, moi, comme référence, c'est que pour avoir une mise en température et être certain, c'est 1 heure pour un 150 000 mètres, 2 heures pour un 250 et 3 heures pour un 350. Mais ça peut être accéléré par des ventilateurs et une condition favorable. Voilà. Mais après, je veux dire, si tu fais du ciel profond à faible grossissement, la mise en température sera pas très gênante. Si tu fais du planétaire à fort grossissement, là, tu as plutôt intérêt. Moi, j'ai envie de dire, une fois, j'ai fait une sortie astro avec les membres du club astronomique de la région lilloise. J'étais avec mon 400, j'avais un ami qui était avec son 250 GSO. Donc, je vous parle régulièrement de mon ami justement en question. Alors, il veut rester anonyme sur les réseaux sociaux, je le comprends très bien. Mais c'est un fin observateur et je peux vous dire que tant que mon 400 n'était pas bien à température, son 250 l'éclatait allègrement. Puis jusqu'au moment où mon 400 a commencé à vraiment à devenir mieux à température, puis là, à ce moment-là, je suis passé devant. Donc c'est un peu ça. Effectivement, une mise en température, plus le diamètre est important, plus elle est longue. Un télescope bien ouvert comme celui-là se met à température, bien évidemment, beaucoup plus rapidement qu'un tube fermé. Ça joue également aussi, hein. Et re tout le monde. Voilà, Astroculus qui revient. Entre Sky Safari normal, le Pro, il y a une grosse différence. Bah, en fait, le Pro a beaucoup plus de catalogues d'objets et d'étoiles.
Moi, je dis, le normal, en fait, c'est vraiment pour les débutants et en fait, pas très intéressant. Après, tu as Sky Safari Plus, que je conseille pour ceux qui font du visuel. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire du visuel avec. Sky Safari Pro, c'est pour faire de l'astrophoto, où là, vraiment, vous allez avoir des catalogues d'étoiles pour aller très très loin, pour aller reconnaître Pluton sur une de vos photos ou en visuel ou des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous donner. Et vous avez des catalogues de toutes petites galaxies PGC dans Sky Safari Pro que vous n'avez pas dans le Plus. Une remarque qui est souvent faite, c'est que les gens pensent que repolir les miroirs peut améliorer grandement la qualité. C'est vrai. Mais apprendre à collimater parfaitement son instrument, gratuitement, ça permet d'avoir déjà beaucoup, beaucoup mieux. Très juste. Donc avant d'envisager très, très juste. De refaire ses miroirs, il faut déjà maîtriser sa collimation parfaitement. C'est exact, c'est tout à fait exact. Surtout que les télescopes du commerce, quand ils sont livrés, ils ne sont pas collimatés. C'est jamais collimaté, de toute façon, même quand tu le transportes, il faut garder à l'esprit pour tout le monde que le simple changement de hauteur de votre télescope à des niveaux de collimation extrêmes, change déjà sa collimation par les flexions des éléments dans le tube. Oui, ça joue. Moi, ça, je peux te dire qu'avec mes tubes de carbone de 8 qui sont trop fins, je le sens clairement avec le 400. Ça, c'est son voilà, gros défaut, il faut le faire en face. C'est pour ça qu'avant d'envisager de repolir les miroirs d'un C11, pousser la collimation jusqu'au bout d'un C11, et je peux vous dire un C11, t'as pas besoin de repolir. Hein. Monstrueux. Un C11, tu n'as pas besoin de repolir parce que c'est un miroir sphérique. Donc, à mon avis, le miroir du C11, il est vraiment bon. Bah, globalement, tu n'as qu'à regarder avec moi. Tout joue à la collimation. C'est juste qu'elle est extrêmement compliquée à faire dans le verre. Non, mais par contre, quand tu prends un Newton du commerce, la question se pose. Alors, question de blog Astroblog 31. Prévision cadeau de Noël, lunettes plus monture plus caméra ou EV-scope ou Vespera. C'est une très très bonne question. Ça dépend ce que tu veux photographier, comment. Il y a des gens qui aiment bidouiller. Bah, la prosso que vous entendez dans le chat, c'est un furieux qui aime bidouiller sa collimation. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui ne veulent pas se prendre la tête et tout ça. Les petits télescopes automatisés, les prix vont baisser. Il y a une saine concurrence, je pense, entre les deux entreprises. Donc, Stellina d'un côté et puis... j'oublie toujours un des deux noms. Non, Stellina, c'est un type de télescope. Enfin, bref. Les deux entreprises qui font ça, Vaonis d'un côté et puis l'autre, je ne sais plus son nom. Il y a une saine concurrence. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se mettre sur le marché aussi. Les prix donc vont baisser, vont se démocratiser. Après, c'est une question de choix. Moi, personnellement, je suis très content de mes petits instruments. Je dirais que pour ce budget-là, tu peux faire déjà plusieurs choses. Soit aller vers un truc go-to, par exemple, bah justement une AZ-GTI avec une 61 EDPH et puis un bon capteur derrière. Ça peut être aussi carrément une caméra ciel profond. Soit tu peux aller sur une Star Adventurer. Soit tu peux aller sur un 150-750 sur HEQ5. Je pense que tu seras limite là dans le budget déjà. Hein, 150-750 sur HEQ5. Fais attention à bien dimensionner la monture. Un 200 par 1000 sur HEQ5, ça commence à devenir un peu difficile, un peu limite. Ça passe, hein, mais ça commence à devenir. Voilà. Donc, est-il pertinent d'envoyer son Schmidt-Cassegrain C11 chez Franck? Moi, je te dis que non. Parce que c'est un miroir sphérique. Et généralement, les miroirs sphériques sont de bonne qualité. Vous seriez étonné, mais avec Franck, on a foucauté ce truc-là. D'accord? Le 76-300, on l'a foucauté. Eh ben, je peux vous dire que le miroir, il n'est pas si dégueulasse que ça. Après, le problème, c'est que c'est à f4, avec un miroir sphérique, forcément, la qualité d'image, elle n'est pas topissime. Mais le miroir en lui-même, par rapport à sa spec d'un miroir sphérique, il avait une belle surface. Est-il préférable d'acheter une barre aux 2 pouces pour fixer mon APN sur mon Newton que un 1.25 avec un adaptateur? Bah, je pense que tu risques d'avoir du tilt si tu prends une 1.25. Après... ça dépend directement de la taille du capteur de l'APN. Et puis, qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec une Barlow 2 pouces devant ton appareil photo? Parce que... Attention, parce que tu vas très vite avoir des coins qui seront quand même un peu dégueulasses parce que ta Barlow ne sera pas télécentrique, justement. Donc, faut voir vraiment qu'est-ce que tu veux faire avec une Barlow devant ton APN. Sur la Lune... ce sera le même problème que quand t'as pas de correcteur de coma, et ben sur les bords en fait ce sera légèrement flou et sur le centre ce sera net.
C'est la Lune, on ne se rend pas bien compte, mais sans correcteur de coma, la Lune, on perd énormément en qualité. Hein. C'est pour ça que j'ai intégré un correcteur de coma. On ne le voit pas, là. Mais là, là-dedans, dans l'épaisseur, là, vous avez un MPCC Mark III de chez Bader. Donc, à intégrer là-dedans, ça a été un petit peu un boulot. Mais je regrette absolument pas derrière, parce que la qualité d'image, elle s'en ressent. Un correcteur de coma pour du visuel pour la Lune, ça y jouerait aussi, tu penses ? Ah bah ça dépend des oculaires que tu prends. Si tu prends du Naglaire, ça devrait passer, mais si tu prends des Bader Hyperion, je te conseille d'avoir un correcteur de coma. D'accord. Alors, j'en ai un, mais je l'avais jamais utilisé pour la Lune. Donc ça j'ai un petit tube 76-700. Je me suis construit un système de suivi GoTo. TinaStroke, j'ai installé sur une monture EQC. Que j'ai installé sur une EQ6 Syntec modifié Kitroan pour remplacer la EQ1. Oh, le truc de furieux. Pour commencer, montage d'un EOS6 en onde défiltrée ou d'une caméra. Moi, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, il faudra songer quand même à changer le tube. Réfléchis à ce que tu veux faire plus tard, c'est-à-dire quel serait le tube que tu veux placer. Après, derrière, achète l'imageur en question. Et ensuite, achète le tube. Par exemple, à chacun voir ce qu'il a envie de faire. J'ai envie de dire, ton APN, ce serait plutôt pour du ciel profond. Caméra, bah, si tu as le budget, c'est encore mieux. Hein, une caméra de ciel profond. Ou caméra planétaire, bah, tu peux, bien sûr, directement. Je sais, mon tube est très petit. Voilà. C'est pour roder la mise en route, tout ça. Suivi d'un SV Boni 50 mm, plus SST, merci. Bah voilà, mais là on est sur vraiment le choix d'un projet, donc il faut en réfléchir. Viens échanger avec les gens dans le Discord, ça pourrait être intéressant. voilà. Bah écoutez, les gens, je pense qu'on arrive à peu près. Alors il y a encore une autre question de David Le Boursier qu'il faudrait me transmettre là dans le Discord. Non, je suis pas descendu tout en bas. Est-ce que les APS-C deviennent obsolètes face aux caméras ? Bah, en fait, ta caméra, tu peux la refroidir. Donc, tu vas avoir un rapport signature-bruit bien meilleur. Alors oui, je pense que quelque part, quand on a le budget, si on a 1 500 €, il vaut mieux acheter une caméra de ciel profond qu'un APS-C. Mais l'APS-C, tu en trouves à 200-300 €, où tu peux déjà faire des super trucs avec ça. Donc c'est une question de budget en fait. Mais l'intérêt de l'appareil photo, c'est que ton appareil photo, tu es sur le terrain, tu as juste besoin de sa batterie ou d'une fausse batterie à mettre sur un power tank pour pouvoir faire ton imagerie. Alors que ta caméra, tu es obligé d'avoir une grosse alimentation. Tu vois, ton appareil photo, en vrai nomade tout terrain, il vaut mieux avoir un appareil photo. Si jamais tu vas pour faire de la... Si tu es vraiment chez toi et tout ça quand tu shootes, là tu peux être sur une caméra. Parce qu'une caméra ciel profond avec les modules pour le refroidir, etc., ça va commencer à consommer du courant. Hein. David Le Boursier, vaut-il mieux prendre directement un GoTo ou prendre une monture allemande puis l'équiper au fur et à mesure ? Alors, c'est une très bonne question, David. Et alors, moi je vais te dire une chose, si tu prends les EQ6, elles sont, je crois, déjà toutes GoTo et motorisées d'office, EQ5. Une EQ5 que tu vas ensuite motoriser GoTo, donc les EQ5, NEQ5, ou si tu prends une HEQ5, la motorisation n'est pas la même et la motorisation de la HEQ5 Pro GoTo sera supérieure à celle d'une EQ5 que tu vas ensuite motoriser GoTo après. Donc c'est là où il faut raisonner, c'est vraiment la qualité des moteurs et tout ça. Et donc la HEQ5 GoTo vaut mieux qu'une EQ5 que tu vas motoriser après. Mais après, ça dépend de l'instrument que tu mets dessus. Si tu mets une 76 EDPH, par exemple, une 76 EDPH ou une 72 ou 80 ED, avec une EQ5 que tu vas ensuite motoriser, ça ira. Avec un 150-750, là, tu vas commencer à monter en focale, tu vas monter avec un rapport FD plus court. Peut-être qu'il vaut peut-être mieux avoir une HEQ5. Mais globalement, voilà, il faut savoir que tu as quand même une petite différence à ce niveau-là de la qualité des motorisations. Peux-tu en faire du solaire avec un flex tube Dobson ? Alors oui, tu peux en faire, mais avec un filtre de pleine ouverture, donc astro-solar. Et je te conseille quand même de fermer le tube avec une jupe. Je te conseille parce que tu vas avoir forcément très rapidement des lumières parasites qui vont voiler tes images. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les différentes questions. Bah voilà, Sofiane, voilà.
Soyez les bienvenus en tout cas sur le serveur Discord donc, de la communauté Astro. Il y a des super bons échanges qui peuvent avoir lieu. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu comme hier, c'est-à-dire de vous retrouver sur le vocal 1 après derrière. Comme ça, vous pouvez échanger un petit peu à la suite de ce live. Un point sur les tubes ouverts. Si vous faites du solaire, la jupe n'est pas optionnelle, vu que tout reflet pourrait abîmer quelque chose. Donc pour moi, dès qu'on fait du solaire, tout doit être fermé et faire très attention aux fuites de lumière. Si tu deviens désaxé, ça devient hyper dangereux, oui, c'est clair. Exactement. Et deuxième point, comme je l'explique toujours, quand vous faites du solaire, vous devez le faire que si vous êtes sûr, et que quand vous regardez un objet en journée qui est à moins de 15 degrés du soleil, vous devez faire très attention. Et il faut toujours, avant de regarder dans l'oculaire, mettre votre main pour vérifier si ça fait pas mal. Votre main va brûler, ça sera pas trop grave. Et gardez aussi à l'esprit que, je le répète toujours parce que c'est un point important pour les novices, on ne laisse jamais un tube sans surveillance, et moins en journée. Vu qu'il se trouve que la Terre tourne, donc si le soleil n'est pas en face de votre tube, quelques heures plus tard, il peut l'être. Carrément. Et ça détruira votre tube. Donc, dans le doute, vous le mettez en parking, qui pointe vers le nord pour l'hémisphère nord et le sud pour l'hémisphère sud. Toi, j'ai appris un truc. Exactement. Surtout, en journée, faites très attention à vos tubes. Le soleil est très, très, très lumineux. Une vidéo de démonstration où le mec il montre ce qui se passe quand tu mets un œil derrière un oculaire avec le soleil en face. Là. Ah bah tu deviens aveugle instantanément. Ah oui. Ouais, j'ai un ami qui a essayé, les médecins lui ont dit 3 jours dans le noir et ensuite on croise les doigts que vous ne soyez pas bousillé les yeux. Quoi. Et encore, s'il la récupère, c'est qu'il était encore à une limite lumineuse, mais globalement, si tu le fais mal, il n'y a pas de deuxième option. Gardez vraiment à l'esprit que le filtre solaire doit être vraiment bien fixé. Moi, quand je le mets là-dessus, je mets des pinces pour pas qu'il puisse se barrer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une jupe supérieure pour éviter qu'il se barre, n'empêche, mais il pourrait se décoller comme ça avec un coup de vent ou autre. Donc, je mets des pinces en plus. Il faut vraiment pas que le filtre solaire puisse se barrer. Et puis, pour les chercheurs, il faut aussi des filtres pour les chercheurs ou des bouchons. Voilà. Et petite astuce, très dangereux. Qui est toujours très intéressant. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que quand vous vérifiez que votre filtre n'est pas percé, vous regardez le soleil tout simplement à travers le filtre à l'œil nu. Oui. Et c'est très amusant de voir le vrai diamètre du soleil, qui est vraiment tout petit. L'avantage, c'est qu'en le regardant à travers le filtre à solar, vous pouvez vraiment voir le soleil sans aucun danger, ou avec des lunettes évidemment d'éclipse. Mais en tout cas, ça fait le même phénomène. Et c'est toujours très amusant de regarder le vrai diamètre du soleil comme ça. Et d'ailleurs, quand il y avait eu la lune qui était passée en partie devant le soleil, j'avais regardé l'éclipse justement à travers l'astrosolar. Et c'était très amusant de voir vraiment le petit côté Pac-Man à travers le filtre astrosolar. Voilà, alors, ou alors il faut orienter le télescope à l'est du Soleil. Oui, c'était dans l'hémisphère nord. Je réponds à Shiva qui disait Club Astro dans la région, c'est sur l'île. En fait, le club astronomique de la région lilloise, il est basé maintenant au pavillon de chasse. Et donc, il y a une permanence tous les mercredis soirs. Le pavillon de chasse qui est au lac du Héron à Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est à l'est de l'île. Et puis, chaque premier mardi du mois à 20h, cette fois à la ferme du Héron, dans la grande salle, il y a une soirée ouverte au public. Et puis après ça, il y a des trucs plus réguliers pour les membres du club réellement. Voilà pour vous dire un petit peu pour ce club-là. Bah, écoutez, je pense qu'on va terminer ce live-là. Vous pouvez vous retrouver dans le vocal 1 du Discord. On vous a mis le lien dans la description et dans le chat. Donc le Discord, pour vous permettre d'échanger gratuitement entre vous et continuer à progresser dans l'astro. L'idée aussi, c'est de pouvoir donner un peu d'horizontalité dans les discussions, parce que je ne veux pas, et vous savez très bien ma philosophie, je ne suis pas un YouTuber qui fait de l'astro, je suis un astronome qui est sur YouTube. Et je ne veux pas aller dans cette espèce de... Vous savez qu'il y a toujours un biais, vous avez l'impression de me connaître.
Moi, par contre, je ne vous connais pas forcément personnellement, à part un pseudo et quelques personnes très régulières où je commence à un peu plus identifier les personnes. Et vous me contactez pour me poser des questions, mais quand vous avez 10, 20 personnes qui vous contactent, ça commence à faire beaucoup de volume. Donc, c'est pour ça de mettre de l'horizontalité et non pas de la verticalité vers moi, mais de l'horizontalité pour échanger entre vous. Il y aura toujours quelqu'un pour avec qui échanger sur le serveur Discord, alors que moi, je ne suis pas forcément dispo, puis j'ai le droit à une vie privée, j'ai le droit de me reposer aussi un petit peu, de travailler sur les prochains épisodes, de travailler sur les évolutions du Photostock, etc. Alors, il y en a un de vous qui avait posé la question, qui avait dit, c'est toi qui les as fabriqués. Oui, j'ai fabriqué ce 400, j'ai fabriqué la petite monture là du 115-900 que tu vois là, et j'ai fabriqué aussi le Photostock là derrière, qui est mon bébé, qui est un peu mon invention, parce que le fer à cheval, j'ai pas inventé. Par contre, de faire un télescope en fer à cheval intégralement démontable comme ça de voyage, il y a un gars qui l'a déjà fait, mais le mien est quand même extrêmement compact et extrêmement intéressant de par ses performances, et il continue d'évoluer. Donc, ça se fabrique. Il y a un tutoriel, plusieurs tutoriels, il y a une playlist, construisez votre télescope Stroke, qui vous donnera des éléments. Là, c'est plutôt un télescope de type slim, c'est-à-dire on est vraiment sur un anneau pour la cage de secondaire et non pas sur une cage complète. C'est un concept un petit peu différent. Une araignée démontable, vous avez le tutoriel pour fabriquer une telle araignée, et tout ça, ça aide à pouvoir vous fabriquer un télescope de voyage comme ça. Et puis, vous avez mon épisode où je présente le 400, où je montre comment il est fait, et on comprend quand même assez vite. Et il y a surtout un fil sur le serveur WebAstro sur lequel justement je montre les étapes de la construction du 400. Donc en voyant tout ça, c'est facile de pouvoir s'en fabriquer un soi-même quand on est un peu bricoleur. Voilà, voilà, voilà. Comment va-t-on sur ce serveur? Bah, t'as un lien, Marco. Et puis je sais plus s'il y a le CAPTCHA qui est encore actif, Alex. Il y avait un CAPTCHA à une époque. Non, il n'y a plus de CAPTCHA, il faut juste accepter les règles dès qu'on commence, c'est automatiquement. Voilà, donc allez sur ce serveur Discord. Dans la description, c'est le premier lien qui vient. Voilà, et puis donc vous venez sur le serveur Discord, vous vous abonnez aux chaînes des uns et des autres. De toute façon, vous les retrouverez aussi, il y a toute une section pour les différents YouTubeurs pour aller découvrir leurs chaînes et leurs derniers épisodes. Soyez les bienvenus, que la fête continue. Du coup, sur le Discord, moi, je vais ranger un peu le matos et me reposer aussi parce que je fatigue aussi un petit peu. Et puis, vous préparez l'épisode de demain. On va parler aussi un peu astrophoto demain. Et puis, continuez de répondre à vos différentes questions, vous donner toutes les billes. Demain, pour... 14h, pareil. Voilà, demain, 14h, pareil, même lieu, même heure. Vive l'astro, soyez curieux, mettez l'œil à l'oculaire et tout ça, faites-vous plaisir. Allez rencontrer un club physique aussi, c'est important. Et puis merci tout. Ah, qu'est-ce que je pense de la GoPro 9 pour le ciel profond? Je sais qu'il y en a qui se sont amusés à photographier avec les GoPro récentes, il y en avait qui avaient photographié les trains de Starlink, mais j'ai pas trop testé plus que ça les GoPro en astronomie, quoi. Voilà. Moi j'en ai une très vieille, c'est une GoPro 2, elle est pas suffisante, mais les plus récentes, je pense que ça a bien progressé. Voilà, non, c'était un plaisir. C'est pas les trains de Starlink, c'est les reines du Père Noël qui se suivent. Ah oui, aussi, ouais. Bon, allez. Merci à tous. Merci pour votre soutien aussi, pour vos dons, que ce soit dans le super chat, que ce soit sur le Utip. Voilà, pour me permettre d'aller sur l'achat d'un casque Bluetooth, ça me facilitera quand même grandement la vie. Et je pense que la qualité du son sera vraiment meilleure que ce truc-là. Voilà. En tout cas, merci pour tout. C'était un grand plaisir et à demain sur la chaîne Astro pour la suite.